pas. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère, Louis. Nique ta mère. Oh. Oh. Maman, je veux pas perdre la vie. Eh oui. Oui, Camilo, je vais me faire sauter. Me confier à personne car ils partent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Je veux que ma mère soit fière de moi. Louis ? Ça va ? Oui, ça va, super. Tu branles quoi ? J'étais grave en train de manger. T'es en train de manger toi aussi ? T'as vu le tunnel d'Alderney ? Il est bloqué à cause de. Oui. Bah là, on est mission des Italiens, c'est pour ouvrir le tunnel. Mais attends, c'est nous, on a cassé les tunnels et là maintenant on va les réouvrir. Oui, enfin c'est nous qui avons volé la statue, on l'a rendue hein. Et on a quoi en échange? Je sais pas. Ce qui passe à mes gones. Ça va, vous faites quoi? On s'en fait pas. Non. Là on s'apprête à sortir les trucs à droite à gauche. En otage, je descends de la voiture, je lance une brique. Ah oui. Je crois pas que ça marche. Mais sérieux, vous branlez quoi? Hier je vous cherchais ou je vous voyais pas? Bah, hier on t'a appelé, on voulait normal, on voulait. Arrêtez de m'encercler, je me sens pressé. Arrêtez de m'oppresser. Pourquoi vous m'oppressez comme ça? On t'oppresse, Miguel, on t'oppresse. Ah, vous voulez m'oppresser? Ah! Ah! Ça fait moi les malins! Attends, tu as un drapeau de la France? Trop bien! C'est de la pataphique, c'est de la pataphique. Non, non, ça c'est pas de la pataphique, mon frère. Sur sa poche. C'est la République Dominicaine. Ah oui, je voyais que de profil. Eh ben, vas-y, les génies. N'hésitez pas à aller vous faire enculer, d'accord? Vas-y, on y pense pas. Super. Miguel, tu le vends combien ce que t'avais dans les mains là? Tu le vends combien? Mais je le vends pas, c'est un cadeau. Oh Miguel. Oui. Ça me le fera en cadeau. Donne-moi ton numéro aussi, grosse touffe, enculé. 31. Attends, mais c'est qui en passager? Je sais pas. Au revoir. C'est pas Louis. Allez, casse-toi. Mais attends, mais tu lui as dit normal, t'as le drapeau de la France, reviens. Pourquoi il aurait le drapeau de la France, hein, Tony? Bah peut-être qu'il a des origines françaises. Oh, Kazo. Ah, c'est vous les gars, ça va? Ça vaut quoi? Vous faites quoi? C'est quoi ta tenue? Qu'est-ce que tu fais, Kazo? Là, je m'occupe de l'épicier, là. Pourquoi? Il a fait quoi? Il m'a insulté le fils de pute. D'accord. Oui. Ça explose? Vous savez comment je peux aller à Alderney ou pas? Oui, faut que tu ailles à la nage. Ah putain, fais chier, je sais pas nager. Putain. Sinon, tu fais exploser le pont pour le débloquer et après tu passes. D'accord, Miguel. Non, tu réponds. Les gars. Oui. Je peux vous poser une question, vous me répondez honnêtement. Bien sûr. Est-ce que vous avez un meilleur ami? Oui. Est-ce que je suis votre meilleur ami? Non. Bah je savais. Bon bah merci les gars. De rien. Je suis retourné régler mes comptes. Bonne soirée. J'ai trop de problèmes à régler. C'est à cause de lui qu'on est recherché par. Mais lui aussi le recherché je pense hein. C'est qui ça? C'est Vertigo, c'est vrai. C'est Vertigo. Regarde. Ah oui toi. Non, c'est une perruque. En fait j'ai pris les cheveux le plus long. Regarde Miguel, tu regardes dans ton rétro ou pas? Oui. T'as vu qu'on pouvait faire ça? Regarde là j'ai ma perruque. Oui, tu peux t'attacher. Tu peux enlever. C'est plus ma perruque. Hein? Ah non, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est une perruque. Ça va, Vertidu? Ça va, et toi, va voir au magasin de vêtements, t'as vu mon frère avant. En gros, hier, quand vous étiez pas là, on est parti, on a juste rechargé un camion de barils et on l'a caché à Alderney. Là, ce soir, faudra faire sauter le tunnel. Mais on bosse pour les Shangri-La maintenant, du coup. Bah, pour le temps que t'as Carla, oui, hein. Par contre, je vous aime bien, mais la chibourek jaune, non, vraiment. Carla, elle m'a pas dit ça. Carla, elle m'a dit, elle veut qu'on libère son père de prison. Oui, mais là, il n'y a plus personne. On va travailler pour nous. Comment ça? On a rien du tout, nous. Comment ça, on a rien? T'as des armes, t'as de la drogue, t'as quelque chose à faire. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je te dis, en gros, les Italiens, c'est le... Là, juste la transition avant qu'on parte sur Cayo Perico ou quoi. Parce que là, on a rien, on a pas d'argent. Et voilà, on est mort. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. En fait, j'ai appris l'info hier. Oui. L'avocat. Il a une mission, c'est d'aller tuer des gens à Cayo Perico. Ah aïe, ta mère la pute. Mais tu es troco ou quoi, codard? Oh non, pas Angèle. Pourquoi tu coupes la priorité? Mais tu dis ça, t'es garé là. Poussez-vous tous, s'il vous plaît, là. Poussez-vous tous, tout le monde. Allez. Mais tu viens, t'as pas vu qu'on vient de faire un accident? Non, j'ai pas vu. Et bah voilà. Bah nique ta mère. Pourquoi il faut mettre des panneaux? Mais attends, mais t'es avec le bandana, je t'ai dit, il y a 30 minutes, roule doucement, vers le dernier. Oui, et il m'a coupé la route ici, il est passé. Oh! 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 Okay, alors là. Oui. Oh! Oui, dis-moi. Pourquoi tu m'as coupé la route? Pardon, je te jure, ma voiture est attachée. Tu le vois, il y a Ah! Ah, d'accord, ok, d'accord, ça marche. Eh ben. Les gars, je suis mécanicien, c'est sûrement le genre de culasse. Eh ben, au revoir. Je te remercie. Eh, Louis, t'as glowdown, hein?
C'est pas Louise. Ok, je m'appelle CR7. Arrête avec ça. Non, vraiment, je m'appelle CR7. Mais attendez, l'avocat, il a une mission, c'est d'aller tuer des gens à Cayo Perico. D'aller tuer des gens à Cayo Perico? D'aller tuer qui? Quoi faire? Je sais pas. Il faut que je... Ah. Mais non, pourquoi elle est partie comme ça? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi elle est partie de travers? En tout cas, t'es passé entre les poteaux de travers. Ah oui? J'avais pas fait gaffe. Bah, oui. D'aller tuer qui à Cayo Perico? Attends, mais Louise, bah, je sais pas. En gros, hier, ils ont fait une mission secrète à Alderney. Où ils ont abattu des terroristes dans un bâtiment. De ce qu'il m'a dit. Ok. Vraiment, ils étaient attendus par... Ouais, l'avocat. Il a tué des gens. Ouais. D'accord. Et là, il m'a dit à ça et à moi et à une autre, on n'est que deux à savoir. Il m'a dit, là, on a une mission, on doit aller tuer quelqu'un à Cayo Perico. Il a besoin de nous ou pas? Bah, tu veux son numéro? Ah, tu l'appelles toi, c'est toi qui as le contact avec lui, c'est pas moi. Vas-y. Aïe. Aïe. Tu fais de quoi, les terroristes? Allô? Je les vois que chez les trédits. Tu pars dans ta mission à Caillou? Hier, je me suis disputé avec des gens. Des disputeurs. T'as dit quoi? Répète. Ok, c'est vrai. Et le truc de Caillou, c'est t'as besoin d'aide ou pas? Ok, vas-y. Alors, ah oui, il y a une chose. Il y a autre chose aussi. Quoi? Toute l'eau de Liberty, elle est contaminée. Il faut rien boire, sinon on tombe malade. Ah oui, ça, on l'a vu ça hier, les informations. Bah, il vient de me dire ça et il m'a dit, j'ai pas encore de nouvelles. Ils sont en dispatch parce que maintenant, ils ont fait une nouvelle unité secrète de Poyos avec des civils. Bon, bref. Tu t'es embrouillé avec qui? Avec. Bah, sur Twitter, avec. Avec comment il s'appelle là, Murda et un autre. C'est les GS9 ça, parce qu'il y a Murda et tout. Compliqué hein, moi j'ai pas trop l'habitude des cavales donc je suis un peu perdu de ce qu'on doit faire, ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas là. Ben on fait comme d'hab, mais sauf qu'on est, on fait discret. Ouais mais le quartier. Un quartier, on peut pas trop y aller. Ouais Camilo, pour un petit rendez-vous hein, pour un con quoi. Que tu viennes avec toute la cavalerie et tu me fasses péter, ça? Non, on y était il y a littéralement 10 minutes dans mon quartier. Ah ouais? Dors là-bas, je me branle, même sur ta mère, je me branle. Bendejo. Oh, dis-moi, tu veux parler? Ah ouais. Dis-lui, Miguel, il se branle sur son ex. Miguel, il se branle sur ton ex. Nuna. Oh. Ouais, elle est morte, oui, bah oui, bah oui. Mais on se branle au moment où elle est morte, tu vois. C'était excitant. Bref, Camilo. Tu veux me parler, mais tu veux me parler quoi? C'était excitant de savoir qu'elle est morte et que t'as pleuré sa mort. Tu te souviens qu'elle a crié « Non !» Ah, il a raccroché, je crois que ça l'a éteint. Je crois qu'en parlant de son ex, ça l'a éteint. Oui, il est pas content. Attends, je vais le rappeler. Non, parce qu'il sait pas que c'est nous. T'as branché son ex? Ouais. Maintenant, il le sait. Non, il le sait toujours pas. Bah, Miguel, oui, Camilo. Merde. Oui, tu m'entends? Dis-moi, Miguel, t'es où là? Je suis pas loin du quartier, pourquoi? Menteur. Non, on est au magasin de vêtements à côté du quartier, pourquoi? Non, comme ça. Il va y aller les dents en avant. Il a raccroché super vite, il a dit non comme ça, il a raccroché. Écoute les sirènes. Ah, ils sont en train d'y aller. En fait, Vertigo, si tu veux faire rendez-vous avec Camilo, faut trouver un endroit où t'as vu en mode. Faut on puisse s'enfuir stylé. Genre, on passe une porte ou un mur et il y a une voiture derrière ou un truc non, comme mais ça. En gros, Miguel, tu sais qu'il faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on fasse quoi, Hermano? Tu leur dis là. Exemple, t'as vu là, tu disais magasin de vêtements, bah se met pas loin du magasin de vêtements avec les téléphones et on voit comment ils arrivent, tu vois. Qu'on les fasse craquer mentalement qu'on est jamais au même endroit, tu vois. Oui. Je leur envoie une photo quand ils sont au magasin de vêtements. Je lui ai envoyé le même du Renoir de Skyrock. C'est quoi? Tu sais, je fais croire à un pote que Skyrock l'a appris. Ah. Tu l'as pas? Ok. Tu l'as pas? Ça nous suit derrière, ça nous klaxonne. Ça nous klaxonne derrière. Ah non, même pas. Ou amore. Coucou, mi corazon. Comment ça va, mon amore? C'est bien? Ah, je sais pas si ça fait trop pour un retour, non? Non. Soit amore, soit corazon. Choisis. Corazon, c'est ton mot. Vas-y, corazon. Trop tard, j'ai envoyé. Ah bah vas-y, c'est bon. Si elle te répond, mon corazon, est-ce que t'es content? Oui. Ok. Je suis très content. Non, mais elle va répondre, je pense. Non, elle va répondre, ça y est. Hier, je lui ai mis un coup de pression. Hier, je parlais avec elle. Aïe. Un mois, elle m'a dit, on se marie si jamais on libère son père de prison. Du coup, il faut qu'on libère son père de prison. Et j'ai vu Guido par rapport à ça. Il m'a dit, il y en a pour une à deux semaines de préparation avant qu'on fasse passer si, à la prison. Bene et toi. Elle m'a dit, si, bonjour, bene et toi. Voilà, elle t'a répondu. T'as pas dit. Est-ce que dans la soirée, ça te dirait qu'on se voit que tous les deux, j'ai à te parler. Il a fait le gangster. Bah écoute, comme oui, ça me dirait, super. Tu me dis quand tu veux. Je suis un peu débordé parce que je suis en cavale, recherché par les poyos. Tous les poyos veulent ma peau. Voilà, je suis un peu Jacques Mérine. Je suis l'ennemi public numéro 1. Je suis genre Pablo Escobar, genre Tony Montana, tu vois un peu. Genre Bonnie and Clyde, comment dire. Genre Michael Scofield, tu vois un petit peu. Genre, y'a qui d'autre? J'en sais rien moi, t'as compris. En gros, je suis en cavale quoi. Ben. Coucou Radamel. Du coup, le boys band.
Bah, on est là. Quelqu'un a volé la statue de la liberté, regardez. Ah, je pense juste qu'ils l'ont mal rattaché. Je vais snapper l'avocat ça. L'avocat il m'a dit si on trouve Kazo, on doit l'attraper. On l'a vu tout à l'heure, est-ce qu'on l'attrape? T'as dit quoi? Répète. Kazo. Le mec du port. L'avocat dit si tu vois ce mec, tu me le chopes s'il te plaît. Mais pourquoi faire? Je sais pas. Moi, du moment que moi, à l'ancienne, je connaissais un Kazo, mais je pense. Non, mais Kazo, c'est Kazo le foot du porte-avions. Mais il était pas là. Bah, à l'ancienne, dans Los Santos, il y avait un Kazo aussi. Je lui ai dit, je prends combien et pourquoi? Il ressemble à Trevor ou pas? Je sais pas c'est qui Trevor. Ah oui, non, il est bon. Hein. Je connais pas Trevor. On fait le plan que j'ai dit, on les rend fous ou... Oui, après, c'est jouer avec le feu quand même, on peut. Non, mais parce qu'après, bah, se balader en chibourek jaune, c'est déjà jouer avec le feu. Hein. Ça, c'est la plus grosse mise en danger qu'on peut avoir, ça, la chibourek. Mais après, sinon, on peut faire quoi comme business là? On peut pas faire rentrer d'argent, ça? Parce qu'en fait, on a des problèmes avec personne. Rigole. Mais on peut pas récupérer le business des AOD. Ils avaient rien comme business, c'était juste des terroristes. Ouais, c'est ça, ils étaient juste malades. Ah bon? Ouais, ils avaient aucun business. Le business, c'est le cartel et le. Et le cartel, ils deviennent quoi? Je sais pas. Moi, ça fait longtemps que je peux pas tuer un keuf, moi. Bon, on va tuer des keufs. On peut, hein. Bah, c'est pas comme si c'était une activité, mais. Non, tu kiffes, faut bien choisir. En gros, non, mais là. Moi, je vous dis, venez, on tue Camilo, bordel. En vrai, on a plein de raisons de le tuer. Hein. Justement, il y a un. Comment ça s'appelle? Un Kairon un jour. Et... En gros, comment vous dire? Vous savez, j'ai montré ma tête à Camilo le jour où ça m'a fait les mortes, là. Et bref, tu vois, il y a eu plein de petites phases où. Je lui donnais rendez-vous solo, moi et lui et tout, nanani. Je lui mettais un coup de pression, Et un jour, il y avait un mec qui s'appelait Kairon. Il a abusé de la matraque avec moi. Et il faut que je le retrouve à tout prix, fils de pute. Mais tu veux le tuer parce qu'il t'a mis des coups de matraque? Oui, et il m'a dit, ouais, je te pisse dessus, je te chie dessus. En gros, il m'a ridiculisé, t'as vu? Et moi, on me ridiculise pas, hermano. Voilà, ton te ridiculise pas, hermano. Bon, on est d'accord sur ça. Mais non, je voulais voir juste si le point est réparé. Non, Miguel, t'as pas chier. Miguel, t'as pas chier, je dois les prendre en photo et tu la vois Camilo, tu dis mais on est là, pourquoi tu... Non, c'est trop long de faire une photo. Et bref, et en gros, pourquoi lui? Bah, parce que vous avez capté, en gros, ça va affaiblir Camilo, il va pas se sentir serein, tu vois. Moi, comment il s'appelle le mec que tu veux te voir? Attends, parle doucement. Non, mais pas, ils ont mis les... Calme-toi sur la conduite, messieurs. Bonjour. Ouais, ça marche. Oui, ça marche. Ouais, ça marche, oui, excusez-nous. Pardon. Allez. Pardon. Au revoir. Au revoir. Merci. Putain, madré. Voix de dette. Ouais, je disais, il s'appelait Kairon. Kairon, c'est un afro. Un afro. Pourquoi tu précises sa couleur de peau, espèce de gros raciste? C'est un humain, comme un autre. Non, mais au moins, tu te fais une image de lui, quoi. D'accord, ça marche. C'est ce que je veux dire. Putain, 30 secondes de vocal. C'est la première fois que tu me fais ça, ma mamie. C'est en cavale. Attends, il est où son Oui, mais c'était pour que tu comprennes bien, tu vois. Je suis genre comme El Chapo, tu vois. Genre, tout le monde me recherche. Interpol, Poyos, DOA, FBI. Genre, je suis genre Che Guevara, tu vois. Genre, je suis genre Luffy. Tu vois Luffy dans One Piece? Je suis genre Luffy dans One Piece. Ou Light Yagami dans Death Note, par exemple. Regardez qui va vous appeler. Voilà. Des trucs comme ça, en gros. Voilà. Qui c'est qui nous appelle? Guero, deux soirs de suite. Incroyable. Non mais oui, il m'a dit je venais. C'est comment? T'es où là? Barrio, en soi. Moi je pensais pas t'en aller aussi. Oui, t'as vu, c'est un petit bump. Dire bouge, j'ai un moment de pause. Julie prend une voiture. Mais vendre des armes, c'est compliqué pour toi, Miguel? Pour moi? Faut les avoir, les armes. Non mais oui. Mais voilà, est-ce que c'est compliqué si on arrive? Attends, c'est quoi la pause GPS? C'est Marie, elle m'a dit j'ai besoin d'aide. D'accord. Non, bah non, moi je fais ce que le gang veut faire. Mais c'est toi, en fait, comme je disais. C'est toi la tête, Riffé. Oui, c'est moi la tête. Moi, j'ai jamais été en cavale. Moi, j'ai toujours été dans mon coin à faire mon business. Jamais, je me suis jamais retrouvé dans cette situation. Si, donc, mais tout seul. Jamais fait de cavale ta vie, oui. Si, mais tout seul. J'avais pas un gang à gérer derrière. Donc, je faisais mes trucs, tu vois. Là. Eh bien, Vertigo, à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre. Et tu vas pas. Ben oui, c'est quoi pour ça que je te demande. C'est quoi à partir de maintenant? Écoute, Vertigo. À chaque fois que tu vas me demander un conseil, je vais hint. Je vais te donner que des mauvaises réponses. Comme ça, au moins, tu vas apprendre à grandir. Mais je parle avec tout le monde, un quart d'heure on est mort quoi. Non mais la cavale c'est bien. Non mais comme ça au moins, à partir de maintenant tu es au courant. Tu es au courant que maintenant moi je suis là, je vais hint. Ouais mais on est mort. Mais si de base tu nous mets dans la merde. Non, juste quand Vertigo me pose des questions. Juste quand Vertigo me pose des questions. Il est là Marie? Ah ben je sais pourquoi. Ah ben c'est... Il y a plus de Marie. Marie peut-être mais... Fais gaffe, c'est pas un délire.
Ah si, elle est là. Eh, je le sens pas. Non, non, fais le tour. Qu'est-ce qu'il y a qui est à côté? Guette Yaki, ah, ta grosse queue de cheval, connard. Attends. Mais non. Il y avait Kaiju, sa grosse queue. Attends, Marie, c'est une traître. Oh mon dieu. 7 ans, ça donne le go déjà. Bismillah. 7 ans, ça donne le go. Mais t'as bien pris, on va dire pourquoi tu t'es dit. Voilà, et voilà, regardez derrière nous. Appelle Marie, dis-lui on va la tuer, d'accord? C'est Miguel qui conduit, on est mort. Appelle Marie, dis-lui on va la tuer, Marie. Non, non, arrête de parler, s'il te plaît, là tu te concentres. Tu fronces tes sourcils. Allez, arrête-toi. Je me concentre. Kazo, il a kidnappé. Il a kidnappé. Mais regarde, ils font pas des voix aussi là, les gens ils veulent que j'aille en prison. Arrête de parler, soit. D'accord, j'arrête de parler, Par contre, vraiment, je rigole pas, les frères. Si là on s'est pas attrapé. On... Mais oui, donc on... arrête de parler, concentre-toi. Les frères, je me fais attraper, c'est prison à vie, hein. C'est fin. Je vous parle sérieux, hein. Oh mon dieu. Il y a une QS sur mon live. Il va me porter la chance, j'espère. Donne-moi des feintes, NQS. Oh, j'ai peur. Il me faut des feintes, là, NQS, mon frère. Bah, regarde pas, alors. Oui. J'arrête de regarder. Allez. Ouais. On a fait ça rebloquer. Mais non. Force, on a confiance. Regarde, je suis bien. Aïe. Bon, c'est juste un poteau qui pèse une tonne, c'est pas grave. Ou sinon, on descend en tiers. Ah, j'ai là, pas d'arme. Eh oui, mais ça, le problème, faut qu'on aille tous armés, maintenant. Appelle Santi. Je vais appeler le G. Arrête-toi. Oh putain, c'est mort. Oh allez, non. Voilà, On est mort. Ça va les couilles, Il a arraché le plus dangereux, putain, je sais pas c'est qui l'a Chapter Grease, mais c'est mon frère. Ça nous lance des trucs. Hein ouais, c'est moi aussi je vais lancer. Si j'arrive à le mettre sur son capot, il verra plus rien. Oui, bien joué ça. J'ai plus de smoke. Tu sais que si j'arrive à le mettre sur le capot, il est dans la merde. Vas-y, balance des bananes, Luis. Il va croire qu'on est passé derrière. Putain, il serait resté là-bas, on serait barré à pied. Oh non, c'est son pote, on est mort aussi. Comment ça, son pote? Ça va. Mais mauvais bail de putain, là j'ai. En fait, j'aime pas rester dans le Bronx pour nous enfermer. Aïe. C'est bon, je croyais qu'il allait se casser l'arbre. C'est bon, tout va bien les poyos. Super. Ouais, tout va bien. Ils sont solides les arbres. Essaye de le mettre sur leur capot. Sur le capot ouais. Attends, il faut que j'envoie un message à Carla. Non, toi tu conduis. Si. Elle m'a dit, tu sais, hier j'ai beaucoup réfléchi et mon padrino m'a ouvert les yeux. En effet, il faut que je te pardonne car le pardon est la base dans la religion. Voilà, alors je vais faire un effort. Le cul, là, je continue pas. Mais toi, bien, en contrepartie, je veux que tu me promettes que tout ça ne se repassera plus, par favor. Ouais, coucou Carla, mi amor. Il y a de grandes chances que tout ça ne se reproduise plus car je suis poursuivi par les poyos et je vais peut-être me faire arrêter et prendre perpétuité. Dans tous les cas, il faut que tu saches que je ne l'aurais pas refait car tu es l'amour de ma vie. Et si jamais je suis arrêté ce soir et que c'est la fin pour moi, Miguel raconté, eh ben sache que tu as été une personne formidable à mon cœur, très gentille et compatissante et que j'aurais aimé me marier. Deuxièmement, si je me marie, si je vais en prison, j'aimerais quand même qu'on se marie et que tu viennes me voir au parloir de temps en temps. Merde, moi, comme ça, pour qu'on rigole. D'accord? Super, merci. Et voilà, il vient de tirer, on l'a tiré dessus. Non, mais j'ai pas fait exprès. Il a fait quoi? Mais il a tiré. Non, mais j'ai pas fait exprès de tirer, vraiment. En vrai, je te conseille d'aller sur Alternil, les gens, c'est des clochards, il y a pas trop de coachés là-bas. Tu te souviens celle que je voulais préparer ou pas? Ok, vas-y, bah je mets la pause à Miguel, vas-y. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, t'inquiète. Vas-y. Miguel, après, on l'a jeté. Miguel, reste sur le Queen. Reste au Queen. D'accord. Quand je te dirai, je te mettrai la pause et. On n'est pas au Queen, là, on est à Manhattan. Ouais, mais là, il peut tourner. Vers le quartier. Non, là, il peut. Tu sais que tu peux prendre des ruecs, il peut pas prendre lui avec la chibourée. Mais je sais pas lesquels. Bah, là, va à droite. Droite? Ouais, encore. T'as vu là, t'aurais pu passer là maintenant. Non, c'était à droite, pas à gauche. Je panique. Non, je panique là. Si, on peut passer. On a une chibourée. Non, on n'a pas une chibourée. Vas-y, bloque-les. Pousse le camion. On sort en tir, non. Il va passer. Les gars, on sort en tir, hein. Arrête-toi. Descends. Oh merde. Descends. Miguel, parle au C4, arrête. Je dois fuir. Pardon, les moyens. Pardon. Oh le pire. Attends, je les attends un peu. Oh là là là. En fait, je voulais pas sortir le C4, je me fais. Oh les dingueries. Attends, quoi t'as sorti? Non. Vas-y, va à droite. Non, je les attends, c'est pas grave. Mais regarde Jackie encore derrière. C'est pas grave, un partout, je te jure. Je pouvais pas m'arrêter sur ça. Les boyos. Je pouvais pas m'arrêter sur ça. Aïe. Oh. Connard. Ah ouais, là ça fait 2-1 pour eux. Hein. Ok, je me concentre, vraiment je te regarde. Vraiment, là ça y est. C'est que là t'aurais pu prendre à gauche dans la petite ruelle, mais. Mais faut que tu me guides. Mais oui, guide-moi au lieu de me dire. Bah, guide-lui. Y'a pas.
Va droite. Parlez doucement, parlez doucement. Va droite tranquillement. Droite tranquillement. Ouais. Après. Droite. Droite. Prévenez-moi un peu l'avance. Ouais. Je prévois la trajectoire. Droite. Là, tu prends la petite ruelle à gauche. La petite ruelle à gauche. C'est la même. Tu peux. Tu vas doucement par contre. Ah non. Non mais vas-y. Non, allez, Louis, vas-y, nique ta mère, nique ta mère, Louis. Vraiment, nique ta mère, nique ta mère, la pute, Louis. Nique ta mère, Louis. C'est 4. Nique ta mère, Louis. Je connais pas. Nique ta mère. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, Louis, nique ta mère. On bouge plus là. Louis, nique ta mère. Camilo, désolard. Ton arme, on va tirer sinon. Je suis... Attendez, les gars, les poyos, je suis désolé de faire ça. Vraiment, je ne voulais pas faire ça. Malheureusement. Non. Je voulais pas faire ça, je voulais pas. Maman, je veux pas perdre la vie. Eh oui. Oui, Camilo, je vais me faire sauter. Je vais me faire sauter. Camilo, recule. Regarde, je jette mon C4 par terre. On arrive. Je le jette par terre, c'est bon, il est jeté par terre, désactivé. Non, Louis, ferme ta gueule. T'as plus de joker, je vais attends, tout non, Louis, nique ta mère, nique ta mère, Louis. Ferme ta gueule. Deux fois, tu nous mets dans la merde. Nombre de fois où je t'ai sauvé, c'est gentil de crier quand même. Hein. Là, j'ai plus de C4, hein. C'est fini, là. Ah, y'a plus de joker, là. Là, j'ai plus de C4. Il faut qu'on les sème, de manière... Y'a Guerou qui nous attaque la mule. Ouais, avec un camion. Je t'ai mis la pause. D'accord. En gros, faut aller à la fête pour Rennes. Parle doucement. Bon, faut aller à la fête foraine et faut monter l'autoroute. Louis, nique ta mère, Louis, nique ta mère. Mais moi, ta mère. Je suis un conducteur, je suis pas un copilote. Nique ta mère et nique ta mère. Nique ta mère, Louis. Et surtout, tu vois que tu peux pas sortir. N'oublie jamais de niquer ta mère, Louis. N'oublie jamais. Non, j'en ai, c'est bon, j'en ai plus. Je fais pas truc au C4. Je fais plus là, si on se fait péter, on se fait péter. Le dernier joker, il a baisé. Ça fera chier parce que frère. Parce qu'on aura une fin de merde. Mais là, c'est bon là. Jojo, il est mort? Arrêtez-vous, vous êtes foutu là! Ferme ta gueule! Arrêtez-vous là, vous êtes foutu, bordel de merde là! Camilo! Chez le coiffeur! Camilo! Je jure que Marie, si jamais je me fais arrêter à cause de Marie, je jure qu'elle va mourir! Je vais embaucher un enfant tueur! Parce que moi je vais pas tuer des enfants, mais un enfant tueur qui va la tuer elle aussi! Prends-moi! Je déteste les gosses moi! C'est vrai, on est obligé de contacter des baby shooters. Oui, oui, je vais contacter un baby shooter, Radamel, pour de vrai, hein. Bon, en gros, faut tailler l'affaire, on peut pas la tuer, nous. Appelle Marie, dis-lui que c'est une méchante garçon. Un méchant garnement. On va se concentrer sur le plan Vertigo, mule. Vertigo, oui, oui. Mais appelle, dis-lui que c'est un méchant garnement. Un vilain garnement, tu lui dis. Ouais. Oh. T'es une vilaine garnement, vraiment. Non, je suis grand. Non, ça y est, oublie-moi. T'as vu, toi, tu m'oublies. Petite peste. Après, je vais où, Louis? T'as vu, tu vas Fête Foraine et tu reprends. Dès que t'arrives à Fête Foraine, à gauche. Genre là, tout au bout à gauche. Tout au bout à gauche. Regarde, tu vas voir. Tu vas prendre là. T'as vu la route au bout là? Regarde, maintenant à gauche là. D'accord. Là, ici. En gros, tu vas tout droit, tu prends la bretelle d'autoroute qui monte. Sur la droite? Ouais. D'accord. En gros, quand je vais te dire, regarde, là, à gauche, tu montes. À gauche? Normalement, regarde, il est là où on le voit. Allez, go, s'il te plaît. Allez, le G. Sois bon, mon frère. Oh, il a laissé très peu d'espace. Non, il est bon. Vas-y. Force, Guerro. Guerro, je t'aime. Au revoir. Il est mort, mon frère. Le secondo. Le secondo. Le secondo qui se sacrifie. Il est venu de front. Il repart déjà. Attends. C'est pas fini, les Hermanos. C'est pas fini. Oh, merde. Allez, Poyos, ils vont enfermer là-bas. Il faut qu'on parte. Faut lâcher cette cochée. Hein. Oh, la moto. Ouais. Faut vraiment la lâcher. Mais comment on fait pour... Oh. Ah. Oui, Ils étaient en bas. Ils sont en bas de nous. Parce que c'est un double pont, t'es au courant. Faut vraiment lâcher la côtier. Ils sont passés dans le pont en dessous de nous. Non, là, ils étaient juste à gauche. Ah, là, ils sont passés à côté de nous. Va à droite direct, droite. On va au terrain de basket. Non, mais là, tu vas là. C'est ah, j'ai croyé. Tu m'as dit à droite direct. Ouais, droite, regarde. Droite. Et là, tu vas au skatepark. C'est derrière le skatepark. Putain, mais ils nous ont vu avec nos accoutrements maintenant. Ouais, faut changer. Oh. Ah, c'est de la merde. Vraiment, t'aurais sauté, on serait chassé en vrai ou pas? T'aurais fait le saut derrière, on aurait été chassé. Putain, c'est où le skatepark? À droite. Ah, ouais, droite, continue. Oui, c'est ouais, c'est à droite là. Voilà. Et c'est à gauche là, le petit endroit fermé. Ah. Bon, bah là, au moins, ils vont pas nous trouver. Putain, les hermano. Non, mais faut changer la ciboulec. Attends, Carla m'a envoyé une vocale. Faut bouger d'ici. En prison et je ferai tout aussi pour te sortir de la benne. Oh, tu serais arrêté en Miguero, mon frère. Tu sais, hier, j'ai
pensé à faire quelque chose. Il a dû sauter du pont, non, il y a de l'eau en bas. Non, c'est l'autre. Faire des choses que je n'aurais jamais pensé envers toi. Non, me dis pas, il s'est fait arrêter. J'ai pas ma tenue de... Bah oui, mais c'est sûr, il s'est fait arrêter. Quoi? J'ai pas ma tenue de bois. Tu es l'homme que j'aime en ce moment même. Ah, Carla, elle m'a dit, tu es l'homme que j'aime en ce moment même. Oula, non, ça sent le guet-apens bizarre, ça. Attends, t'as dit quoi? Ça sent très bizarre. Ouais, ça sent bizarre. Vous êtes jaloux, vous êtes des gros jaloux. Donc tu vas te battre, Miguel. Donc tu vas te battre, Miguel, tu vas te battre. Tu vas pas te faire arrêter. T'attaqueo. Par la police, c'est sûr que Miguel a raconté se fasse arrêter, ok? Bref, vous êtes à l'aise, moi je... Tu vas sortir mon papa de prison, ok? D'accord. Tu vas montrer à ma famille qui... Oui, Carla. Et oui. Que tout ça n'était que... D'accord, Carla. Tout ce qui s'est passé. Oui, Carla. Et on se mariera ensemble. Et on se mariera, oui, Carla. On fera un bon mariage. Un bon mariage. Le plus beau de tous les mariages. Le plus beau de tous les mariages, Carla. Attends, Keo? Ah, Kai. Oh non, le pauvre, à ce qu'il paraît, il est descendu de la voiture. Il était descendu de la voiture pour qu'on le prenne dans le coffre. Ah, merde. Il s'est fait arrêter ou pas? Ben, seulement. Je pense. On va prendre un entage pour qu'il se fasse libérer, vont disparaître. Putain, mais j'aimais bien ma tenue. Elle change la juste de couleur. Tu sais qu'en vrai, sans le durag et les lunettes, on me reconnaît même pas. Ah, si. Ah ouais. Merci Jojo, ton C4 nous aura bien sauvé. Mais maintenant, j'en ai plus. Mais comment tu fais pour la Z et d'un coup... Bah, c'est une perruque. Bah, c'est des cheveux bien longs, t'as vu? Ouais, mais je sais pas, j'arrive à détacher mes tresses, moi. Ah, j'en aurais bien besoin. Bah, demande à Miguel. Bah, pourquoi Miguel, il est coiffeur? Je sais pas quoi faire, moi. Non, mais pour détacher ses tresses, ça va, c'est des élastiques. Non, je sais pas quoi faire. Il est pas quoi faire, mais il habite dans un magasin de vêtements. Non. C'est un styliste. Oui. Un styliste. Il est grave pas le orange. Le orange, bah. Ouais. Tu sais faire une tenue en orange, c'est chaud. Hein. Comme ça. Tes lunettes aussi. Tu fais quoi là? Cette tenue. Là, cette tenue, je me suis battu avec les poyos, je les ai tous tués. Six. Je suis caché quelque part, et toi tu fais quoi? Ok, c'est bon comme ça. Jure ce soir... Il m'a fait peur, il m'a fait peur, non, putain Radamel, je crois. Me cours plus jamais dessus comme ça, hein. Mais pourquoi tu me frappes, pendejo? Viens, on va canner. De pute. Et là, on me reconnaît pas, là. Bah, elle était au barrio, mais elle était plus au barrio. Comme ça. J'ai un béret, si tu veux, Radamel. Non. Je vais devoir me re-raser le tête, je crois. Mes cheveux, c'est trop grillé. Change de coupe. Détache tes tresses, fais une touffe. Je détache mes tresses. Miguel touffe. D'accord, je détache mes tresses. Fais un mulet. Miguel, tiens, on fait quoi là? On fait quoi? On récupère la cochette de sortie. On récupère la cochette de sortie. On va s'armer chacun. Après, on va s'armer chacun. Et après, on voit ce qu'on fait. Mais faut qu'on soit tous armés au cas où. Tu me fais rire, tu me fais pas ça. Ouais, c'est derrière chez les Serbes. Elle a dit que je ressemblais à Jeff Tuch. C'est vrai. Putain, il est beau gosse, Jeff Tuch. Non. Ah. Aïe. Heureusement, il m'a pas fait ça pendant la course poursuite. Annonce des OA, préparation. Annonce des OA, préparation du convoi fédéral pour Dario Flores Alasguero. Départ du poste on de police. Quoi, mon frère. On fait quoi en vrai? Bah, je vais me rattacher les tresses, je crois. Ouais, non, mais est-ce que c'est pas fait exprès pour nous péter dans le convoi? Mais bien sûr que si. Parce que lui, il a rien à voir. Il a rien à voir. Oui, mais il a rien à voir. Il n'y a pas la loi Rico sur lui. Hermano, il n'était pas là, il a rien. C'est vrai qu'il n'y a pas la loi Rico. Non, et même le convoi, il ne serait pas déjà. Tu vois, d'abord, il interroge et tout. Là, il est déjà à convoi. Non, t'as raison. Ça, c'est ah, bien joué. Non, vous êtes fort. Même, écoutez-moi. J'espère. Les gars, écoutez-moi. Là, celui qui se fait péter. On va dire ça, mais je sais que si c'est moi encore, vous allez tenter le truc. Ah oui. Mais vas-y, encore faut ça. Si. Par contre, vraiment, nous quatre, si jamais il y en a un de nous quatre qui se fait péter, je jure que je tenterai un truc. Oui, bien sûr, ça c'est sûr, on est obligé. Mais je te mets le point pour l'entrepôt. D'accord. Mais ça va, ne t'en fais pas, je rigole, il y a toujours ton petit charme de Miguel. Oui, mais vaut mieux ressembler à Jeff Tuch en liberté plutôt que ressembler à Don Pablo Escobar en prison. Non, c'est pas là, c'est derrière. Eh oui, c'est pareil, mi corazon. Banks. Bah non. Tu l'as dit ou pas? Oui, je lui ai dit le Banks, Mais non, c'est pas celui-là, il a pas les armes, s'il te plaît, Louis. Il les a pas mis ici, il les a laissés chez lui? Oui, il les a laissés chez lui le dernier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. T'es sûr? Ok. À part s'il l'a fait dans la nuit, mais ça m'étonnerait. Attends. Moi j'avais souvenir qu'il l'avait dit. Moi aussi, hein, il me semble qu'il a dit qu'il allait mettre les armes là-bas. Bah vas-y, viens voir, ça nous coûte rien d'aller. Par contre, non, en gros, faut pas rentrer en voiture, sinon on se retrouve dans une galère. D'accord. Appelle Marie. Ça y est, je l'ai appelé, elle va se faire caner. Baby shooter, là. Non, mais elle va se faire tuer là. Par qui? Elle m'a envoyé une. Je suis kidnappé en haut d'un pont. Super. Oui, c'est encore un go des keufs, Riffy. Non, c'est Gazo, il a tué. Ah ouais, il en a rien à foutre. Honnêtement, tu as raison, je préfère que tu ressembles à Jeff Tuch, mais en liberté,
que tu ressembles à Pablo Escobar, mais derrière les barreaux. C'est vraiment nul. À la derecha, là. Attendez, Miguel. Attendez. Oui. Je vais péter un câble. Alors, répétez ce que j'ai dit. Moi, il me faut juste des balles, moi. Attends, il sait pas rentrer. Vraiment, faut qu'il ouvre d'abord. Attends. À pied. Ouais, allez, faut aller à pied dans des trucs comme ça. Tu nous ouvres et on rentre, là, tu vois. Comment c'est ouvert? Ok. C'est où le truc? Je sais même plus. Non, y'a rien. Louis, tu es un connard. On va te faire ta fête, Louis. On va te faire ta fête. On va te faire ta fête ce soir. Hein. S'il l'a mis dans celui où on n'a pas les clés, on est mort. Pourquoi tu m'envoies une manette, non, mamma mia? Non, j'envoie le dernier. Ok. Attends, c'est quoi déjà la phrase? C'est la manette ok, mais les jeux c'est trop. C'est pas, je vais lui envoyer ça en vocal. C'est dinguerie. C'est quoi la phrase mot pour mot? Et t'imagines là, il faut une masterclass et mettre nos têtes en tête d'affiche partout. C'est ce qui va être fait hein, sur Central Park. Central Park, vu qu'il l'avait fait pour les anciens, il rêve de tout gangster ça. Bah ouais. C'est la phrase ok. Ok, la manette ok, mais les jeux c'est trop. Aïe, voilà. Merde. Ta mère toi t'es vocaux. Ouais, parce que Carla, je lui ai envoyé un vocal. J'ai dit, vaut mieux ressembler à Jeff Touche dehors plutôt que Pablo Escobar en prison. Et elle m'a dit, envoyé un vocal, elle m'a dit, oui c'est vrai, il vaut mieux ressembler à Jeff Touche dehors que Pablo Escobar dedans. Ah, apparemment c'est pas trop drôle, bon d'accord. Bah oui, mais pourquoi t'as parlé de jeux vidéo? Ouais, pourquoi t'as parlé de manette? Parce que je lui ai envoyé une manette. Et pourquoi? Pourquoi une manette? Manette! Mais bordel, manette! Bordel, manette! Manette! Ouais, c'est. Faut que tu prennes l'autre pompe pour le dernier. Je vais péter un câble, manette, les Hermano, manette! Non, je. La manette, ok, mais les jeux, c'est trop! Mais. Mais ouais, je comprends pas là! Manette, cousin! Ouais, manette! Je comprends pas là ce que t'es en train de dire! Manette, Hermano, manette! Manette! Ouais, Dual Shock, oui! La manette, ok, mais les jeux, c'est trop! Bon. T'en parles. Thiago, il est grave pas mort. D'ailleurs, tu as pris pour Marie, tu as vu, elle s'est il fait... Il est mort, Thiago, pourquoi? Elle s'est fait kidnapper. Toi, c'est aucune rêve, ça y est, toi. De quoi, les jeux? À droite. Maman, mais je comprends rien de ce que tu me dis. Attends, on va m'envoyer là. Oui, Marie, elle s'est fait kidnapper. D'ailleurs, c'est elle qui a donné le go au Poyos pour qu'on se fasse arrêter. Donc du coup, si jamais elle meurt pas du kidnapping, je vais embaucher un baby killer de bébés. Comme ça, au moins, ils vont s'entretuer entre les bébés. Putain, mais j'en ai des refs, hein, mais celle-là, je... Manette. J'en ai vraiment beaucoup, hein, pourtant. En gros, c'est un mec, il a tweeté... Oh, les... il a tweeté... Attends, je sais plus c'est quoi le tweet de base, mais en gros, le tweet, c'est genre... Les manettes, c'est cher, tu vois. Les manettes, c'est cher... Non, les... La manette, ça va. Le prix de la manette, ça va, mais les jeux, vraiment, c'est trop cher. Et y a un mec qui lui a répondu... Les manettes, ok, mais les jeux, c'est trop. Et du coup, il a dit la même chose que lui, en gros, tu comprends? Oui. Ah, ok. Manette. Okay. Okay, c'est bon, j'ai compris la ref, pourquoi t'as okay. dit ça. En gros... Okay. Voilà, voilà, c'est en gros... Il a répété ce que t'as dit. Oui, en gros, c'est pas pertinent, il a juste répété ce qu'il a dit, le mec de base, avec la manette. À droite. Bon, tu l'as mis la pause ou pas? Oui, c'est à droite, là, ici, mais ne rentre pas avec la voiture, s'il te plaît. C'est ici, à droite, là. À toi, le garage. Le garage. Ouvre, tu go, faut que tu l'ouvres. Bah, le vœu. Ouvert. J'en ai marre. Non, oui. Mais ma mère, c'est ouvert. Je pense pas que son mari qui t'a balancé, elle ferait pas ça. Ah, t'es jamais vu, t'es innocente et tout est coin. Continue les conneries, c'est pas possible. Moi, je t'assure que c'est pas Marie, ça m'étonnerait vraiment, vraiment. J'ai l'impression que tu engages un baby killer. Killer. Écoute, merde. Écoute, mi corazón. Marie nous envoie une position, d'accord? Nous dit, venez à la supérette. On arrive devant la supérette, 6 voitures de Poyos qui débarquent, Camilo qui était caché derrière Marie et qui nous prennent en course poursuite. A ton avis, c'est une coïncidence, Carla, ou c'est pas une coïncidence, Carla? Voilà. Eh oh, hermano? Ah. Bah, dis-moi, y'a quoi? Fusil, tech. Y'a un autre fusil à pompe. Ouais. Moi, je suis chaud, je le prends. Il est meilleur que moi avec un tech. Moi, je suis trop fort au fusil à pompe. Non, moi, j'ai un tech 9, juste donne-moi des balles, quoi. Bah, prenez ça sur moi, s'il vous plaît. Les gars, j'ai trouvé un lance-roquette. Oui, bah oui.
T'as pas de tenue, de... t'as pas de balle de. C'est le jeu. Si, si, si. Et t'es rempli. Prends pas tout. J'en vais de travers. Ah, j'ai pris tout. Les balles de pistolet. Et sort 10 ou 15 000 dollars de dedans, au cas où. C'est bon. Miguel, il a quoi sur lui? Moi, j'ai un fusil à pompe, il me faut un pétard. Donne-moi un pétard. Tu veux quoi? Bah, j'ai ton pétard d'exécution là, le doré. Non, je veux pas celui-là. Bah, sinon, il y a le Desert Eagle de. Vas-y, Desert Eagle. Tiens, prends-le sûrement. Ça, je joue en Akimbo. Vas-y. Tu veux des... T'as des munitions ou non, il me faut des munitions, par favor. Ok, tiens, prends. Tiens, j'ai mis deux boîtes. En vrai, t'es distant, courte, t'es bien. Oui. Il faut quoi? Tu m'as dit? Bah, du quoi? Faut pas vraiment. Toi, c'est bon? T'as plus de ouais, silencieux. Bon, ouais, ça, je swap ta ta ta. Après, de loin, ta ta. Oh, il y a un silencieur. J'enlève le silencieur. Ouais, faudrait que. Ah, donne-moi le silencieux, tiens. Mecs, je me sens mal quoi. Et on y va comme ça. Je t'ai donné. Là c'est une compo TFT qu'on fait. Une AK, deux pompes. Il nous faut un tank. Ouais vraiment. On n'a pas de front lane. Moi je suis loin, back lane. Hein. Moi aussi regarde. Je suis derrière moi. Attends. Toi t'as ça toi? Oui Germano. C'est kidnappé, je trouve que c'est un agresseur. Sinon, normalement, c'est moi qui ai ça. Mais bon, bref. En haut d'un immeuble suspendu dans le, ouais, dans le vide. Ah, elle est sain et sauf, du coup, c'est bon, c'est moi qui dois la tuer. Non, baby shooter. Oui, mais en gros, c'est pareil. Imagine, on sort, il y a les poyos. Prenez les armes, maintenant ils connaissent pas ça. on peut pas être reconnu en vrai. Bah oui. Je vais mourir avec un costume. Je mourirai. Je mourirai. Qu'est-ce qui t'arrive? Je mourirai. Ça se dit pas, je mourirai. Non, j'ai dit je vais mourir. Il a dit je vais mourir. Non, t'as dit je mourirai avec un costume. Non. Je mourirai, ah oui j'ai dit. Ouais, oui. Ça, vous avez pas entendu je mourirai? Mais ça se dit non. Je mourirai, non, c'est je mourrai. Je mourrai. Je mourrai. Ah, ouais. Tu aurais dit avec l'accent. Je mourrai. Tu mourrai? Je mourrai. Bon, maintenant on fait quoi du coup? Le keuf Kairon. Arrête de dire tes conneries, tu vas pas la surveiller au cas où pour Guero, non? Ni tes baby killer. Comme ça. Je vais envoyer un baby killer qui va tuer les baby donneurs de Go. Tu comprends, Marie? Carla, tu comprends? Mais tu vois, il nous bait. Elle est lente cette préparation. Fais voir, attends, on va voir. Non, c'est quoi, Radamel? Juste de pute. D'accord, vraiment de loin, parce que là ils attendent qu'on vienne. Hermano, ne t'inquiète surtout pas, tu doutes de Miguel, raconte. Oui. Attention. Attention. Ça va? Tu es mort là, c'est sûr, il est mort. Ah, mais c'est le même que tout à l'heure. Mort, non, ah, je pense qu'il est mort. Puis ça arrive souvent les accidents de voiture mortels. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Ok, super. Arrête de couper la route, arrête. Oui. Plus de contresens. Regarde. Radamel, je t'ai repassé un truc. Ce qu'on a vu hier, on l'a pas vu ou on l'a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Ce qu'on a vu hier. Sous le pont. Ah non, on l'a pas vu. Ok. J'aurais aimé le voir. C'est quoi qu'on a vu? C'est quoi qu'on a pas vu plutôt? Ah oui, il part. Oh là là. Il va à la prison dans le dernier, c'est ça? Regardez. Oh non. Je mets des airs juste pour la casser les couilles? Ouais, mais vraiment loin. Non, ils vont nous prendre en chasse là, ils savent pas que c'est nous. Mon frère Guero. En fait, je sais pas par où il passe. Mais appelle l'avocat là, il peut le sortir, il a rien à voir, il nous a juste aidé, il va faire un ou deux jours de prison. Est-ce qu'il le ramène où là? A ton avis, ils vont au pont ou ils vont au tunnel? Non, pour moi c'est juste encore un bait, vraiment. Ok, mais à ton avis, ils vont au pont ou au tunnel? Je sais pas, mais. Ah, que au pont, le tunnel il est fermé. Ah oui. Ok, je vais poser des airs au pont juste pour casser les coronets. Ah, ils vont devoir. Ouais, le convoi va être mis en retard. C'est Camilo, il va voir les airs, il va dire yes, j'ai bait, rien du tout. Rien que dalle. Ah, tu sais qu'ils vont sortir armés. Ouais. Mon frère Guero, il est venu un jour, il s'est fait péter. Putain, à chaque fois qu'il vient plus d'un jour. Ouais, lui, c'est pas possible, hein, il a un problème. Sacrifice, hein. Il est mort comme Vegeta. Ouh, la ref contre Boo. Non, elle est bonne. Ouais. Il faut que je la mette juste là après. Attends. Y'a pas un truc qui peut camoufler un peu? Là, parfait. Et bah, j'ai au cas où je conduis. Radamel, mets-toi côté moi au cas où, faut partir. Comme ça, il monte. Voilà. Ah, ok, attends. Non, c'est bon, j'ai compris ce que vous voulez dire. Je vais conduire, vas-y, c'est bon, ils sont pas là.
Ils vont être dégoûtards. On se met un peu au loin. Oui. Non, fais genre on passe au pire. Pourquoi on va pas le sauver là les gars? Ah non, hermano. On est même pas sûr qu'il est dedans. Ouais, moi aussi je pense vraiment qu'il y a personne dedans. On peut pas monter sur ce bâtiment. Mais est-ce qu'ils vont ici ou ils vont autre part? Bah non, ils vont aller au dernier, il y a qu'un seul endroit pour aller à la prison. La prison, ok. Avec le alias et tout. Mais comment ça s'appelle? Ouais. Mais moi j'ai peur que... Les Italiens, ils avaient pas dit qu'ils allaient déboucher le pont? Attends, je vais le chauffer un peu. Si, mais c'est nous, on devait le faire et on l'a pas fait. Ah, ok, ok. Coucou. Poil de merde. Coucou Camilo. Coucou Miguel. Ça va? Vous allez passer par où avec le convoi? Pas dire qu'on est sur le pont là. Je les entends là, je les entends. D'accord. Ça marche. Au revoir. Vous en entendez là? Je te jure que là, il avait les dents en avant, vraiment. Miguel, il a, il connaît ils pas. Arrive, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. C'est eux là. Oui, c'est 1, 2, 3, hop là! Hop là! Hop là! Regarde, regarde, regarde! Il y a quoi dedans? On sait pas s'il est dedans, faudrait regarder qu'il y en a pas les photos. Alors, tu as crevé! T'es au fils de pute! Regarde du braque, regarde du braque. Et moi t'avais paniqué, ils sont sortis. Oh mais ça aurait été masterclass, on les aurait bloqués des deux côtés, si on serait plus de vagos. Ouais, mais on est trop. On est quatre. Ouais. Quatre. Au moins, là ils vont devoir faire demi-tour, ça nous fait gagner du temps. Ça va et toi? Dis-moi, je regarde ce qu'il me reste et je te dis ok. Vas-y, faut des boîtes d'automatique là, j'ai une commande. On en a. Je crois qu'on en a combien? Non, boîte auto. Miguel, je t'ai passé quoi toi? En fait, on a trop voulu faire les IBK et du coup, on a pas d'alliés. Non, non, on a les 50 avec nous là. Merci à Kibos, c'est merci beaucoup. Les boîtes automatiques, ça doit être boîte d'SMG. Oui, mais je suis pas sûr qu'on en ait encore. Ah, mais ça, c'est pour ça, il nous faut un business là. Ouais. Ah, t'as vu, il braque tout le monde. Là. Pourquoi il n'y a rien? Il y a la voiture. Non, on allait vite tenter de fou malade, vraiment. Mais en face, ils peuvent nous voir quand ils nous regardent. Mais c'est pas grave. Non, on est des. Par contre, je peux pas être les phares avec cette voiture. Terrible. Oh là 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 là. Donc, ouais, ça nous a fait rire. On gagne du temps, hein. Espérons qu'il fasse demi-tour. Merci à Kimoz, merci mon ref. Ah là là, Miguel de merde. Alors, Camilo, tu as besoin d'un mécano ou quoi? Ils vont croire qu'il y a le chagrin. Regroupez-vous, les agents qui sont loin, regroupez-vous. J'espère qu'ils sont braqués. Oh, Camilo, tu as besoin d'un mécano? Il y a un mécano qui va arriver, espèce de fils de pute. Slide. Ah. C'est plus les Shangretta, c'est les Shangrette mouilles. C'est les Shangrettos. Merci à Kibos. Merci mon frérot. Ils se sont fait arrêter. Et en fait, il y en a qui a des couilles de sortir pour prendre de l'appareil. Faudrait savoir s'il y a Guero ou pas. C'est ça, de prendre l'appareil photo et voir s'il y a... Ok. Miguel, si vraiment tu flexes, t'envoies une photo à Camilo, mais tu montes vite. Ah, c'est bon, vraiment ballsy, comme on dit. Explosion de vue. Oui, Yaguero. Non. Oui, il y est. Non. Oui, il y est, je te jure. Fais quoi, les gars? À savoir que cette couchée, elle a pas de coffre. Hein. Faut le savoir, ça. Bah oui, c'est vrai. Mm. Oh, t'imagines, là, le cœur de Guero, il a dû se dire, putain, mes frères, il me libère. Bah ouais, mais Guero, on peut pas le faire. On appelle les Shangretta ou l'aile de mode? Gros, mon frère. C'est un peu bien pour le plan de Shangretta. Attends, c'est quoi la suite de la route après? Je vais remettre des hertz encore. Je vais remettre des hertz encore. Ah, vas-y, ben. À gauche, là, direct. Tourne à gauche, direct. Ils vont au pont, non? En gros, oui, attends, par où ils passent? Il y a deux ponts pour aller à la prison. Mais attends, je suis déjà dedans, ils passent par l'autoroute. Ah oui, ils vont passer tout droit. Donc là, t'en remets un là ici tout de suite. Oui. Moi, tu chiant. Je t'ai dit, t'as vu Miguel? En gros, ils ont besoin de quelqu'un en prison. Donc nous, on va faire exprès de faire entrer Guero en prison. Pour qu'il fasse le plan pour faire évader son père, t'as compris ou pas? D'accord. Il a pas écouté du tout. Tu disais vérité, il a pas écouté. Est-ce qu'on a pas des grosses couilles? On se déguise en maton. Ou on est équipe de lavage. Et on fait un truc. Non, avance pas. Mais avance pas. Putain, reprends. T'es trop con. Mais c'est Radamel, il a dit. Mais non, fallait passer par la gauche avant qu'il blanc. Ah, mais non, mais non, on recule. On recule là. Ah non, là, c'est mensonge. Tu passes à côté d'eux. Non. En vrai, c'est greedy. Non, on peut passer, hein, vraiment. Oui, en vrai, ça, on c'est peut un coup qui nous mettent sur le côté et tout. Tu vois ce que bah, pourquoi ils mettent pas les voitures derrière sur le côté? Ah, mais. Il y a un mec qui prend des photos là-bas. J'ai vu. C'est pas grave. Il vient de faire un call radio. Il nous regarde, il vient de sortir ses jumelles. Après, on veut évader le papa de Carla. On peut évader Guero en même temps? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est dans le plan, gros. C'est dans le plan là, juste on leur casse les couilles. Miguel, arrête tes conneries. Arrête! Ces jumelles-là, tu veux regarde. Engager aucun baby killers? Killers ou killers, je sais pas comment vous dites là dans votre langue américaine. Écoute, tu ne vas engager aucun baby killers, per favore. Ouais. Arrête, Miguel. En gros, je t'explique.
On est mon second là, il va en faire des râles, tu vois. Donc on s'occupe vite fait de son cas, lui, je vais pas le faire évader et tout, mais on s'occupe vite fait un peu des poyos. Et après je te dis ça, t'as besoin de quoi exactement? Dis-moi exactement. Ok, deux boîtes de SMG, ça? Vas-y, je te prépare ça et je te ramène ça d'ici une demi-heure, c'est bon? Parce que, en vrai, Vertitude... Parce que là, dans tous les cas, c'est bloqué, là. Là, le point de je suis à le dernier, tout, les ponts, ils sont bloqués par les poyos. Ok? Vertitude, on peut les bloquer dans le deuxième pont? Non, mais en gros, ils ont un truc à faire. Oui, mais tu vois ce pont-là, en gros, eux, ils passent. Va tout droit. Oui, non, mais t'inquiète. En gros, eux, ils vont passer comme ça. Ils roulent. Tac, boum, ils crèvent les pneus ici. Là, ils crèvent. Bam! Ouais. Tu vois? Voiture qui arrive derrière, voiture qui arrive devant, là, juste devant. T'as vu une petite entrée? Oui, mais on est quatre. Ben, on demande au Shangri-La de nous aider. Non, mais Miguel, le plan, il est parfait. Je jure que Guero, j'en suis sûr que si je lui demande, je vais me dire, laisse-moi. On le laisse à l'emprisonne? Oui. En gros, on va le sortir avec le père, mais il faut qu'il prépare le plan de l'intérieur. Donc, fallait que quelqu'un de nous rentre en prison. Passe et à Guero, côté d'eux, on part. Faut c'est aller le voir plus. Attends, non, mais là, en fait, on va les surveiller parce que je vais te dire, il nous faut deux boîtes de SMG. Et là. Après, c'est vrai que Guero, c'est pas, ça le pose vraiment pas de problème. Ouais, ça le, je le connais, prison, je le connais. Ouais. Pour faire le plan et tout. Pour faire le plan, ouais. Il est plus content de ça que. Ça, c'est vrai, ça. Et au moins, tu sais, les poyos, ça leur donne un peu à manger, tu vois. Ils ont eu un vagos, ils vont pas. Si, même s'ils vont continuer, t'as compris. Moi, j'ai peur qu'ils séquestrent et tout, hein. Non. Bonhomme, après, allez, bonhomme. Il a pas fait, lui, tout ça. Hein. Non. Ah, mais voilà, quoi. Bon. En arrière, tu rentres, je pense. Non, pas liberté. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est trop pentu. Bah, va aller faire drift les routes de derrière. Ah, bah voilà, simple. Ouais, on revient au même endroit, quoi. Oui, mais je voulais pas repasser comme ça. Oh, il fouille tout le monde, il contrôle tout le monde. C'est pour ça. Oh, ils nous visent là, non? Ils nous visent, ils nous ont vu, hein. C'est pas grave. Ils restent pas ici. On a le temps de partir s'ils arrivent. On a une voiture qui accélère fort, hein. Et Mingo, tu sais ce que tu fais? Je fais quoi, Louis? Tu vas tout droit sur le pont. Je vais tout droit sur le pont. Juste avant, tu prends à gauche, il y a un petit trou, on peut changer de voie, eux ils vont aller tout droit, ils vont se faire crever les pneus. Putain, con, mamma mia. T'as froid, Louis? Tu vois, tu trembles un peu. Ouais, un petit peu. Eh ben. La dame, elle réchauffe un peu, non? Non. La dame, elle réchauffe moi, non? En fait, ce qui m'extermine, c'est que le mécano il va venir, il va réparer toutes les voitures. Ils vont faire 100 mètres, il va recrever. Il va se mettre bien le mécano. Putain de merde. Moi, ça me fait chier quand même de laisser Guero. Non, mais. T'inquiète, putain, c'est pour le bien, c'est pour notre bien. C'est pour le bien, mon frère. D'accord. Je le connais mieux que toi. Et lui, j'en suis sûr que si je serais avec lui, il m'aurait dit ne tente rien, mon frère, je vais faire le plan de l'intérieur. Le temps que le mécano il arrive, on a le temps d'aller chercher les boîtes de munitions ou pas pour toi? Où ça? Non, à la planque. On était là, à la planque, elle est juste à côté, non? Pas regretter, oui, le on louper. Peut, on peut. Vas-y, viens, on y va. Comme ça, au moins, il nous oublie un peu. Merci à Kimoz. Et faut trouver quelqu'un qui peut tenir des armes. Et ouais. Ça, y'a personne. Putain. C'est bloqué à ce niveau-là. Parce que Tech 9, c'est bien, mais je te jure. Non, mais pour en vendre, tu vois, y'a plein de gens qui m'appellent, qui me disent, ouais, il nous faut des boîtes de munitions, il nous faut des armes. C'était où déjà par contre, j'ai oublié. Senti, ouais, Chakimoz, merci mon ref. Ouais, mais Senti... Je pense que c'est un Sikone, c'est sûr, c'est un mec... Ouais, c'est un sub, Akimoz. C'était non, pas encore, droite là. Merci mon frère. Tant pis, je te mets la pause, ça pue. Ouais, mets la pause, moi. Moi, je pense que c'est... Mais wesh! Tu peux répondre à ces questions. Là, t'es allé grave trop loin, Miguel. Ouais, c'est derrière. Ouais, Senti, il est pas là. C'est rien. Ah ouais. En fait, faut que Santi nous mette en place une petite fabrique d'armes, mais pas un truc de gros. Ouais, pour des Beretta ou quoi. Merci ouais, beaucoup. Munitions, Beretta et tout, pas trop gros. Ouais. Des trucs qu'on pourra, nous les vagos, savoir faire. Vertigo, tu vas en vif? Ouais, j'y vais, je vais en vif. Ouais. C'est pas mieux que tu vas toi, Louis, à ton moment, ça lui fait le truc. Vas-y. Merci, mon frère. Non, parce qu'il y a plus qu'à les clés. Ah, ok. Histoire, c'est vrai? Pourquoi? Vas-y, au moins tu vas prendre, moi j'arrive pas à ouvrir le coffre. Deux boîtes de munitions de SMG ou l'équivalent? Le monde est méchant, le monde est mauvais. Mais d'habitude toi Miguel quand t'es en cavale.
Tu fais quoi? Tu gardes tes business? Tu fais quoi? Je m'inscris à la danse et je tourne en rond. Nique ta mère! Enfin, dis, qu'est-ce qu'on fait, nous? Non, mais c'est vrai, je m'inscris au breakdance. La dernière fois, je me suis inscrit pour faire du breakdance. Il va te faire enculer. Toi, tu vas me casser les couilles. Moi, je vous dis la vérité. Regarde, je pense, j'ai appris demain... des pas de danse, tu veux que je te montre? Vas-y, montre. C'est fini pour nous. Non, je te jure qu'on peut tenir. On grille pas, on peut tenir. Y a pas... Oui, voilà, t'inquiète. Exactement. Même l'Orio et tout, il regarde. Dimanche, faut tenir jusqu'à l'Orio. La dernière fois que j'étais en cavale, regarde. Vas-y, montre-nous ton déhanché. Regarde-moi ce cul. Fais le robot. Ok. Miguel, je te jure, t'as réussi à faire la plus grosse gueule de con qui existe. La vie de ma mère. Je suis un robot. Que désirez-vous? Je suis quoi, un robot. Miguel, c'était avec les cheveux de Brésilien. Il a raison, moi, brûlé. Cette tête là, c'est une dinguerie. Ah oui, je vois laquelle. Ouais, je peux t'en avoir une si tu veux. 10 000. Qui a la boîte? Non, j'en ai qu'une. C'est combien la boîte, Louis? À combien tu l'achètes habituellement? Parce qu'en fait, mon fournisseur, il est pas là la soirée. J'ai dit, c'est combien la boîte habituellement? Non, moi, s'il est pas con, tu m'entends ou pas, Fifty? Je t'ai dit, c'est combien la boîte, toi, habituellement? Tu en as déjà acheté ou pas? Ah, ils ont dit qu'ils essaient de m'appeler. Jure. Attends, non, je suis sûr qu'ils ont augmenté les prix. Attends, oui, Santi, pardonne. J'avais pas enregistré ton numéro. Il est là, Santi. D'accord. Il y a Vertigo avec toi. Oui, Vertigo, il est avec moi, oui. Ah, ok. Dis-lui, c'est combien la boîte d'émission? Moi, je passe vous voir vite fait. Là, de suite, c'est pas possible. Tu peux attendre un peu? Non, mais tranquille, je suis pas pressé. Ok, parfait. On finit ce qu'on fait, après, on passe te voir. Son nouveau numéro Vertigo, si jamais, c'est 95-80. Merde, ok. 95-80? Oui. Oh, ça repart. Change de position. 95-80? 95-80. Parfait. Ah, mais là on va pas les voir du coup, Miguel. Attends, t'inquiète. Je veux juste pas me faire griller. Bah là, le 6x6, il vient de se faire crever les pneus. Il est passé sur le pont? Oui. On m'entend ou pas? Oui. Oui. Ok. Le 6x6, il est crevé, regarde, là-bas il descend. J'espère que c'est pas un Poyos. Bah, je crois bien. Ils vont prévenir les Poyos. Oh non. Oh les hermano! Oh! 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 Oh les hermano! Vous m'entendez? Là! Prévenez pas les poyos pour les Hers! Je répare vos pneus après, d'accord? Ah! Ça te coûte cher. Ça marche! Merci! Partez! Merde! Oh, c'est les mécanos! Putain! Mais t'es pas refait là! Pourquoi ils remouvrent l'air? Qui ça devant? Qui est personne? Goro, mon frère. Non. On va encore plus loin? Oui. On peut crier pour Goro? Non, faut pas. Non, faut pas. Quoi ou quoi, toi? Je l'ai pas fait! C'est quoi cette question? J'ai vraiment des idées. Tu vas t'entendre? Tout droit, c'est tout droit. En fait, c'est les mécanos, ils ouvrent le chemin, on est baisés. Bah, ils vont faire ça en boucle, là, de toute façon, c'est venu, les restants, je pense. Faut qu'on aille assez loin pour qu'ils aient oublié. Et Camilo nous a vu partir, il va se dire c'est eux qui mettent des airs. À l'entrée de la prison. Ouais, ça sert à rien. C'est vrai qu'elle avance vraiment pas par contre quand elle est à fond. Hein. Ah, 150 max, je crois. Là aussi, pour les attraper ici sur le pont, c'est parfait. Hein. Ah, tu les mets juste là. Oh, derrière, dans les bouches du bout. Je me suis renseigné, c'était bien JK, la boîte de munitions. Merde. Aïe. Ok, super. Lance, mais où là? T'aurais dû mettre ta gauche là, sur la descente? Sur la descente?
Non, ouais. Tu vas tout... La non, bretelle. Tu vas tout... Non, mais regarde, tu vas tout moi, j'aurais mis la bretelle à droite, là, comme ça, on aurait pu voir. Non, mais tu vas tout droit et tu vas au virage et il doit pas... Faut galérer à droite. Oui. Dommage, on peut pas monter sur la centrale nucléaire. On aurait une bonne point de vue. Il y a une grue, hein. Mais bon. Oh, derrière vous, regarde, je à droite, pas. Pas... regarde à droite, il y a des escaliers, non? On peut monter ça? Oui, mais le temps qu'on descende, ils vont nous oui, courir après. Oui. Moi, je pense que la bretelle, c'était pas mal, hein. Moi, je pense que ceinture, c'est mieux. Ceinture? Une ceinture, c'est mieux que des bretelles. Ah, manette. Non, rien à voir. Je sais pas. Je vais péter un câble. Bon. Là, ils ont décidé de faire le chemin à contresens, on est baisé. Non, je crois pas. Ils ont juste changé de direction, c'est fini. Non, les gars, Forza Guerrero. Ils sont pas là? Bah non, ça y est, merde, ils sont pas là. Ils sont passés en centre-ville. Va vite, cours vite à la prison. Cours. Ça court. Bar, je veux dire. Aïe. 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 Merde. Heureusement, on a 50 airbags. Heureusement, ton courage, il nous fait tanker, Radamel. Non. On a dit qu'ils sont passés par là, hein. Mon dieu. Quoi? Ouais, parce que là, la descente, ah, ça ramène à la prison direct. Je pense qu'il y a moins, ils sont vraiment passés. Non, il y a un petit saut et il y a un lac. À droite, là. Le pont à droite. Ou à gauche. Oh! Merde. Allô. Allô, aïe, aïe. Je pensais pas que ça allait passer. Il fallait, okay, il faut qu'il prenne le pont, de toute façon on en pourra pas faire les sauts, ouais, ils nous bon. Emmènent haut en fait. Hein. Oui. Ouais, c'est ça exactement. Vas-y. Vas-y. Ah, t'es occupé dans ce temps-ci? Ils sont déjà là. Où? Ah oui. Ok, ça va, ok. On est bien grillé là. Voiture blanche. Ouais, la voiture blanche elle est grillée, faut la changer de couleur encore. Non, y'a rien, on a rien fait, on a juste été à côté à chaque fois. Ils vont partir, par où? On va reprendre la même route, je pense. Mais c'est quoi la même route? Bah nous, t'as eu la descente qu'on a pris là le... Attends, y'a un ancien qui m'a appris la théorie des routes. T'es mis un point. Mais non. Attends. Bon, ils vont redire la voiture blanche. Là, ils sont à la prison. Ils vont repartir par là-bas. Là où je t'ai mis, je pense, en vrai, non? Ouh, Miguel activé, ça fait plaisir. Camilo, il a marqué moins un wagon sur Twitter. Non, c'est vraiment pas Miguel qui a activé, là. T'as capté. Ouais. Je croyais qu'il y avait pas de loi Rico. Mais j'appelle l'avocat maintenant, là. Je sais pas, en fait. Mais là, il est monté à dépôt, là. Comme il a écrit hashtag Loarico. Je pense que ça existe mon dépôt ici aux States. Mon frère Guerrero. C'est un précoce ce mec. Il est précoce? Ah ouais, à chaque fois qu'il vient, il dure deux jours. Ils vont passer par là. J'ai envie de répondre, on aurait pu dire le même avec ta femme, mais. J'ai pas de photo de sa femme. Après, ah ouais, on a pas de photo de sa femme. J'y pense à ça aussi. Oulala, mon téléphone. Oui, Michael. Regarde Twitter, il y a un wagon qui est tombé avec la loi Rico. C'est... Merde, mais c'est depuis quand c'est le pied droit? T'as l'air que t'es pied gauche? Après, ça existe et ça va toujours exister. Hein. Je comprends pas. Okay. Je vais péter un câble.
En gros, Kazo, on leur casse menace. Les couilles pour le retour. Kazo, il menace que les femmes en ville. Donc c'est pour ça qu'on m'a payé pour l'attraper ce soir. Faut que tu fasses pareil à gauche ici, je pense. Non, à gauche, ils peuvent pas repartir. Ah merde, je suis trop con. La donne, comment est-ce, tranquilo? Pourquoi ça va pas bien? Ah oui, merde. Non, c'est bon en fait. Non, c'est juste parce que il y avait un convoi d'un de mes hommes. Le plan est en route. Un de mes hommes est à l'intérieur de la prison là. Guero, mon second, celui que vous avez vu. C'est ça, celui qui était avec nous hier au rendez-vous. Tout se passe comme on avait prévu. Ben oui. Non. Faire ça bien. Donc si vous pouvez commencer à mettre... Ben ça y est, il est en prison là. On va les voir, ils sont rentrés à l'intérieur. Donc faudrait commencer à activer votre plan ou... Commencer à faire des trucs. Parce que là, c'est une peine de mort qu'il encourt. Ben pour les... C'est la loi Rico, c'est un vagos. Là, tous les vagos sont activement recherchés. Non, c'est juste qu'on était... On était poursuivi par tous les poyos et... Attendez. Non. Allez, félicitations, j'ai fait la photo. Les dents en avant. Ok. Bah, faudrait juste activer la première pour ça. Ça vient de quoi l'expression? Parce les dents, là, les dents en avant. Ça va pas être le seul, on va tous tomber. Quoi? Ok. En gros, quand tu dis les dents en avant, faut que tu fasses avant. Mais pourquoi? D'accord. En gros, t'es un petit qui est content quoi. Ouais, okay, en gros, d'accord. T'es grave hype, t'as les dents en avant. Ah, Guero, il m'appelle. Oh, Guero, il t'appelle? Oui, bah. Ouais, allô. Ouais, Guero, mon frère, dis-moi tout. Oui. Allô, Miguelito. Attends, ouais, je te rappelle. T'as pas pris ton téléphone, moi? On jure. Ok, d'accord. Ouais. Ok. À l'intérieur. D'accord, mon frère. Ok, d'accord. Je savais. J'ai lu dans tes pensées, mon frère. Allez, buenas. En vrai, la dernière fois, la prison, c'était bien, mais tout seul, il va s'ennuyer quand même. Il m'a dit... Non, il tourne ici. Préviens l'italien, tu lui dis que le... Attends, si, c'est bien qu'il tourne ici, c'est là que j'ai mis les Hells. Mais non, tu les as mis devant nous, là. Mais non. Ah oui, si, putain, merde. Il y a deux ponts comme ça, Miguel. Ouais, il faut que je les retire. Putain. C'est ça, Vertigo. Quand t'es grave hype dedans, là. Mais attends, donc là... Il m'a dit Guero, il a encore ce portable, il va préparer le plan. Aïe. Oh. Quoi? Au revoir, Guero. À bientôt. Ils lui ont tout laissé. C'est que là, ils vont croire qu'on tente un truc, regarde, ils vont s'arrêter, nous après, braquer. Je m'en fous, ça a jamais été un frère pour moi, Guero. C'est vrai que c'est lui qui s'est occupé. Oui, je m'en bats les coronesses. Ouais, les gars, bon, on fait quoi? Oh. Et regardez la photo, j'ai zoomé sur la photo, regardez comme elle est incroyable la photo. Elle est parfaite la photo, lieutenant. Oh! Pardon, pourquoi c'est bleu là? Oui, on veut votre gros chien. Il veut l'attendre près de lui. Du coup, mais attends, on va pas aller bailler en deux semaines le daron des champs d'état. Moi je laisse pas Guero deux semaines en prison. Hein. Oui, si je vois. Mais c'est le Don, il pourra déjà porter quoi? Il me dit, ouais, c'est un plan qui met du temps. Moi, s'il le libère pas, je fais libérer mon frère. Guero, hein. Okay. C'est tout. Hein. Attends, je fais l'enculé son. Vous voulez changer de voiture? Va tout droit. Je fais pipi. Vas-y, j'aurais pas besoin de changer. Ok. Quelqu'un conduit? Ok. J'arrive. Vas-y, attends, j'appelle Santi, je lui dis. Il devait nous voir. En fait, on peut prendre. Regarde, on peut prendre la noire qui est devant là. Après, moi j'ai les clés de la jugulaire, moi. Ouais, on a la jugulaire et la noire. Jérémy, c'est ici notre nouveau QG. Oui. Bah oui, voilà. Ici. Ouais. Thanks. On a vraiment toutes nos voitures, même le Bugger en ville est là. Attends, j'appelle Sartre. C'est vrai, j'ai les clés de la jugulaire. Vas-y, viens, prends la jugulaire. Ah, mais il est parti pisser. Attends, je vérifie. Ouais, normalement, ouais. Bah oui. Ah non, fallait que tu montes deuxième place. De quoi? Non, mais de toute façon, ça sert à rien. Quoi, tu veux la conduire? Bah, je pense qu'on prend ça, non? C'est mieux. Il y a celle de devant, elle est mieux, je trouve. Non, la jugular, c'est la mieux. Non? Ouais, pour avoir tout essayé, la jugular, c'est la meilleure de trois. Oui, j'ai capté mon terme de. T'as vu, c'est stylé, elle est stylée l'autre. Oui. Elle a plus de gueule. Vas-y, dis-moi. Ah. Voilà. Oui, on sait. Attends, Miguel, tu choisis laquelle? Les trois.
Ça la tryhard bien. Ah ouais, tu veux? Attends, il dit quoi? Répète. Tiens. Merci. Oh putain. Ok. Bon bah vas-y, bien vu. Bien méta, bien. Bien, bien. Ouais. Bah y'a pas mieux. Ok. Hein. Oui, Camilo. Okay, claro. Bah, Amiguel de merde. Oui, Camilo de merde. Je vais d'avoir une info. Suivant les autres encore dehors. T'as dit quoi? Ce soir on en a attrapé un. Hein. Je t'ai dit vous serez suivant. Oui, d'accord. Ce soir on en a attrapé un. Hein. Oui. Et il est fini l'emprise. Tu en as attrapé un qui a rien à voir. C'est marrant. Mais vas-y, pourquoi pas? Tu sais pas ce que c'est la Loire Eco, pauvre con. Il y a encore les Hers. Il y a encore les Hers sur le pont? Normalement non, je les ai retirés. D'accord. Oui. Pour la Loire Eco, espèce de con, c'est tout individu qui est relié au gang ou appartenant au gang, ben vous tombez. C'est une association de malfaiteurs fois 100. Association de ta mère la pute. Oui, on va pas tomber. Là, ça y est, je suis en mode 4 tiers jugular, crosser. Tu vas voir, je vais m'arrêter, Camilo de merde. C'est bon, il a compris le message, je pense, l'Hermano. Du coup, l'avocat il m'a dit, ils ont instauré la loi Rico Liberty pour les Vagos. Oui. Ah ouais, et l'armée de la pute aussi. Parce que ouais, après, à l'instant, non, Vertigo. Après, on a fait assez de bêtises sans être incriminé pour qu'on puisse lever un sourcil par rapport à ça en vrai. Déjà, le fait qu'on s'en sorte bien quand on a fait le plan des bikers, c'est une dinguerie. Hein. Moi, jamais de la vie, je pense que ça allait passer. Hein. Oui, c'est pour ça. Ouais. Non, mais je te le dis à toi, Vertigo, mais en même temps, tu vois, comme ça, tout le monde l'entend. Oui, yeah, ok. Tu vois? Et t'as vu là, je crois que. Faut aller au Bronx, Miguel. Pour Bronx, les d'accord. Ouais, mais il manque une boîte de munitions, putain, il me casse les couilles. Vas-y, donne-leur une maintenant et je leur dis une après. Vas-y. T'as combien de balles toi de SMG? Aïe. T'as combien de balles de SMG toi, Adamel? J'en ai 60. Bah oui, il y a une boîte quoi. On est comme les mercenaires de One Piece. Attends, Santi m'appelle. Vas-y. L'armée révolutionnaire. Ouais, Santi. Et Luffy et tout. Ouais, t'as pu m'avoir ou pas? Non, l'armée révolutionnaire c'est Dragon et tout. Non, on est Luffy. Sabo, Dragon. Ok. Donc on est des pirates. Je vais être le Luffy. Et pour ce que je t'ai dit là, faut que tu vois avec qui? On est des pirates. Avec le cartel de mes couilles. Je peux être le Luffy? Vas-y. Je lui ressemble. Mais y'a pas de. Franky. Bah vas-y, demande. Tu comprends dans l'attitude oui, hein. À faire pousser ça, vas-y, je te rappelle, Sanji. Et quand tu les as, tu m'appelles, d'accord? Quoi, comment ça? Putain, il. Sanji. Vas-y. Puis cuisine. Ok, tu es qui toi, Vertutu? Je suis Sangoku, moi. Non, Sangoku, c'est pas dans One Piece. Ah bah, les couilles. Il est pas là, 50? Ouais, Gator. Ouais. Eh, hey, what's up? Non, Fifty, il est pas là. Yo, what's up? Dis-lui, il y a la livraison. Yo, livraison. Yo, what's up? Attends, je l'appelle. Mais attends, mais lui, c'était pas un Trini, je comprends plus rien. Mais non, tu confonds les deux, toi. Je suis pas Trini. Oh, le raciste. Mais ils ont la même voix, sérieux, tout le temps. Mais vraiment pas. Mais si, ils ont la même voix. Mais non. Bon, petit ils ont le même accent, mais pas la même voix. Attends, c'est le. Bon, Miguel. Ça, c'est Payne. Ça, c'est Payne, ça. Et l'autre, c'est qui? C'est Simful. C'est Simful. Mais bordel, mais si, vous. Mais. Mais ah, vous êtes pareil. C'est un gars de chez moi, c'est pour ça qu'ils sonnent comme moi, t'as vu? T'es un Québécois. Ils ont la même voix, frère. Dis les termes. Attends, j'appelle 50. Dis-lui en urgence, il vient. Et... il était assis en train de guetter, on a niqué son immersion. Est-ce que toi t'as les trucs mais regarde, ou pas, ça guette là-bas. Regarde, ça guette là-bas et tout. Ah non, c'est... Hop, j'ai dit une dinguerie. Et Riffé, est-ce que t'as le truc? C'est moi, j'ai. Bah attends, bah tiens. Là, mais force à vous, mes Québécois, frère. De toute façon, bordel. Justement. Y'a Vertigo dans le lot ici ou pas? Ouais. Ouais, c'est Vertigo. Get. Au moins, on revient pas deux fois ici. Tu veux tout sortir là? Ouais, au cas où là, je suis obligé de me. Lui, c'est Ja? Et j'ai moi. C'est lui Ja ou c'est. C'est lequel Ja? C'est lui ou c'est l'autre? Il fait mal le Zizi. Hein. De quoi? Ja. Je prends, tu. Et quoi? Parce que ça va pas. C'est lui. D'accord. Non, dû devenir, c'est urgent. Il t'appelle là. Il va t'appeler maintenant. Ok, moi je suis Luffy. Toi, tu es Sanji. Toi, Radamel. C'est moi, Sanji. Ah oui. Toi, je sais pas, choisis pour moi, je connais vraiment. Toi, tu es Zoro. Zoro tous les jours, toi. Zoro. Vertigo, c'est Chopper. C'est qui Chopper? Je voulais te voir. Ah, c'est pas le cerf bizarre là? C'est le raton laverse en même temps. Mais qui se transforme. $5, ouais. C'est bon, je sais c'est qui. 5 minutes, oui. Pas 10 minutes. Attends, mais Zoro, c'est pas un crack? Si, c'est l'Algérien. Si, Zoro, il est mystérieux et sobre. Incroyable. Vas-y. Et Sanji, c'est un bandeur de fab. Vas-y. Et un cuisinier. Ouais, mais on verra. Mais vu sérieux, c'est qui Vertigo la... Vas-y, c'est Nami. Vas-y, 50. Non, c'est Usopp. Vas-y. Genre, il a pris, c'est pas tiré. Et c'est un menteur. Oh,
Ouais, c'est voilà. Tiens ça. Mais non, Usopp, c'est l'Orio. Ben oui, c'est l'Orio, Usopp. Mais je crois que l'Orio, il sait maintenant. Tu m'as jamais vu, beau gosse. À part à 50. Oui, mais c'est Abito, il est fou. Allez, vas-y, venez, on y va. Au revoir. Ça marche. C'est Jinbei. C'est Jinbei. Ça marche, ça marche. Miguel. Oui. Et ben eux, ils ne sont pas question de ça. C'est question que maintenant que t'as vu, nous on leur vend des trucs. Ben si t'as besoin de eux, ils vont toujours se déplacer, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux. Merde, pardon. Vas-y, tranquille la femme. Désolé. Oui, du coup, je reviens. En gros, ouais, eux, tu les appelles et ils sont là. Bon, en gros, si on a besoin d'un groupe, ils sont là. Hein. Ça va. Puisque maintenant je vends des armes et que on voit des petits trucs, ils m'ont dit s'il y a besoin, on est là. Vertigo, voilà. On a fait l'équipage, c'est bon. Mais c'est qui, moi? Jinbei. C'est le plus fort de. C'est le roi des océans. Je sais même pas c'est qui est Jinbei. Ouais. Oui, c'est l'homme poisson, c'est le roi des océans. Ça ou pas, Miguel, c'est le plus fort. Bah, ça, je sais pas, j'ai pas regardé jusqu'à ici. Bah, Isla Dunfor. En gros, c'est le. C'est le numéro 3. En gros, allez, numéro 1, le fils. Mais pourquoi t'as pris un gros? Quoi, mais tu t'as écoute, numéro 1. Écoute, mais non, écoute, écoute ce que j'ai dit. Écoute-moi, mais. Écoute-moi, écoute-moi. Non, 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 tu me laisses finir. Numéro 1, Luffy. Numéro 2, Zoro. Mais écoute, écoute, numéro 1 Luffy, numéro 2 Zoro, numéro 3 Jinbei dans l'ordre des primes. Ouh, t'es mal. T'es sûr que t'es pas en train de spoil là? Attention hein. Non. Parce que moi je connais pas Jinbei par exemple. Mais si, c'est, il date vraiment de longtemps lui. Ah oui? Bon, toi tu vas recevoir des gens battre toi. Non, il date de très longtemps. Y'en a qui sont pas contents, Louis. Non, je te jure que non. J'ai rien dit. La vie de ma mère, ça date de vraiment très longtemps. Ah ouais, bah gros soutien. Non, je vous jure. Ça fait un plaisir, Luis. Ouais. Je vous jure, ça date de très longtemps. Vraiment bon. Ok, Gauthier. Il est Gauthier. Aïe. Attends, mais je vais me renseigner, moi. Parce que Jinbei, ça se voit, le blaze, il est nul déjà. Attends. Eh, on a perdu quelqu'un dans la voiture. On a perdu qui? Voilà. Vertu, il est où? Je sais pas. Il a dû avoir mal au crâne. Moi, à la place de Vertigo, je lui dis pas à lui, tu vois. Mais moi, j'aurais fait. Ah oui, c'est la loi Rico pour les Vagos, et ben ça va être aussi la loi Rico pour les Poyos. Et en gros, j'aurais kidnappé des Poyos, je les aurais enfermés. Ah, en fait, c'est vrai, j'avais oublié, tu hint. Oui. Tout à l'heure, quand il te demande un truc, c'est vrai. Oui, oui. C'est pour ça, moi, à sa place, j'aurais fait ça, j'aurais traqué les Poyos, on les aurait enfermés comme on aurait enfermé Guero. Bah, c'est ce que j'avais. C'est l'idée que j'avais un peu au début de soirée, là. Je vous ai dit l'autre là, Kairon et tout. Après, si on peut. Si on en chope pas, on en chope pas, hein. Pas forcément lui. Hein. Vous avez compris quoi. Il a ce que ça s'écrit comment, Jinbei? J-I-E-B. B-E, je crois. Ou B-E-I. B-E. Moi, je suis Miguel, Miguel D. Luffy. Tu vois, t'es un D. Tu rigoles tout le temps. Est-ce que tu sais pourquoi... Ah mais arrête de... Je crois que c'est un... T'es à l'aise toi. C'est Non mais je crois que je sais, oui. Mais je crois que j'ai pas envie de dire avant Louis. Non, c'est pas des spoils. Ça va être quoi, il m'appelle. Quoi, c'est quoi la question, vas-y. Oui, je te récupère. C'est quoi être un D? Non, dis pas au cas où quand même. Mais moi j'ai jamais regardé, je sais quoi. Je sais quoi. En fait, j'ai un collègue, vas-y cousin. Je connais mieux okay. Que Oda. Tu veux savoir quand on m'a dit dragon moi. On m'a dit moi je suis plus dragon. Et le... Je suis le père à Luffy. Arrêtez, ouais, dites pas, bordel. Oui. T'as oublié que. Mais oui, vous êtes fou, sérieux. Ouais, mais non, arrête de parler de ça. Mais oui, arrêtez de parler de One Piece, sérieux. Ouais. Moi j'ai déjà. En plus, je l'avais déjà spoil, c'était quoi le One Piece. Et je t'ai vu et j'étais avec toi et pour moi c'est complètement de la merde. Mais de sérieux? Non, ma théorie, pas la fin, ma théorie, tu veux dire. Quoi que c'est l'islam? Non mais en gros, de quoi? Oui. Putain. Quoi? C'est vrai, attendez. Il faut qu'on repose tout là. Comment ça, jure Ahi Oda? Moi c'est ça ma théorie. Je mets de l'essence, oh mon dieu. Dinguerie. Putain, vertu. Mais les gars, t'as vu par rapport par rapport à ma théorie? Oui, oui, je suis là, oui, t'inquiète. Par rapport à ma théorie, quand One Piece sera fini et qu'elle s'avère grave, il faudra pas dire ouais, moi je te croyais. Dinguerie, c'est vrai qu'il est stylé, Zoro, là, je ne vois. Vertigo, tu regardes quoi en vrai? Tu regardes un des animés? Mais t'as vu?
dans mon regardez Dragon Ball. Oui, parce que je suis un ancien, c'est le seul ok, on peut pas spoiler Dragon Ball. T'es qui alors sur Dragon Ball? Ah, moi, tu veux savoir je suis qui? Ouais. En vrai, Hercule, hein. Même pas, t'es Doria. Dodoria. Tu veux savoir qui je suis, moi? Moi, je suis quelqu'un. Je suis. Gohan Petit. Bah, Gohan, il a mal fini, hein, hermano. Mais ouais, petit, Gohan Petit. Mais ça n'a rien à voir. T'as rien à voir avec Vertigo, n'importe quoi. Toi, tu es Bou. Je suis qui? Je suis Freezer. Bou, mais. Ouais, imagine Bou. Non, pas Bou, t'es Boubou. Tout ça parce que je suis nul aux jeux vidéo, c'est pour ça que vous dites tu Bou? Oui. Non, t'es Boubou. Attends, moi je suis qui moi? De quoi? Toi, je suis. T'es un petit Freezer, hein, t'as eu Freezer oui, première Freezer, forme. Oui, Freezer, casse-cou. Un bon petit fils. Je suis dispo, mais maintenant si jamais il y a besoin, Carla. C'est même par contre maintenant que je suis dispo. Carla veut me voir, ça se trouve c'est un guet-apens avec les poyos, hein. Mais on y va et si... Mais maintenant on est équipé, hermano. Le cartel des Vagos. Faut trouver un nom, c'est vrai. Cartelos Los Vagos. On est les Vartel, le Vartel, le Vartel. Tu sais qu'il y a, j'ai encore regardé un reportage sur les cartels et je te jure, je suis trop un vendeur. Pourquoi je suis pas né au Mexique? T'es malade, toi. Ah ouais. Non, je suis bien content d'être en France, sérieux, trop bien. Ouais, vraiment. Ma mère. Ben non, j'aurais dit des pinches pendejo en oui, vrai. Oui, mais tu serais mort, ouais, tu serais mort depuis longtemps, Vertigo. Vraiment, c'est trop bien. T'aurais pas un ordinateur chez toi. Là-bas, c'est 25 ans maximum. Oh, c'est le taxi. Coucou le taxi. Bonsoir. Ben quoi, taxi man? Ça va, seigneur? Tranquille, ben ça fait plaisir, je vois qu'on peut réaccéder à Aldernay, ça fait plaisir. Oui. Plaisir à ta vue, on a capté. Vous avez participé à la petite soirée drift ce soir ou quoi? Peut-être. Mais arrêtez de vous foutre de sa gueule. C'est vrai, c'est pas gentil. Mais moi je pense que vous avez le talent, pour. Hein. À quelle heure? Ouais, tu penses. C'est à minuit, c'est à l'underground. Peut-être on y ira faire un tour, oui, peut-être. D'accord. Ah, franchement, n'hésitez pas, je pense les gars, il va y avoir de l'ambiance et tout. Et si vous êtes là, il y en aura. Si vous n'êtes pas là, ce sera un peu nul. Merci beaucoup, seigneur. Au revoir. Des beaux gosses. Au revoir. Pourquoi vous foutez son gueule? Pourquoi? Non, on change de voix devant les civils. Mais c'est pas un poyos. Moi, chaque civil, je parle avec cette voix. Ok, go, je parle. Tu mets ça, les gars, Piccolo, vous savez, c'est qui? C'est Kajim. Pourquoi? Parce que Piccolo, IRL, je suis sûr, c'est un afro. Quel est le rapport? On parle de caractère, on parle de ce qu'il y a au fond de notre cœur, on parle de ce qu'il y a au fond de notre cœur, on parle de notre passé, de notre enfance, de notre histoire. Ta gueule, ça raciste. On parle de nos souvenirs, on parle de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et toi, tu remets tout en cause dans la question de peau, la couleur de peau, connard. Non, mais en gros, pinché. En gros, ce que j'allais dire. Oui. Que moi, j'ai mangé tchèp tout à l'heure, j'ai mangé tchèp. Ah, manette. Ah ouais. Ah, mais en fait, c'est la ref. Quelle ref? Okay. C'est même pas la. Non, la ref, c'est j'ai mangé un kebab. Si, j'ai mangé un couscous. J'ai une dent de croco. Vous l'avez. Non, vous l'avez pas sérieux celle-là? Laquelle? Je sais pas. Regardez, je suis pas raciste. Là, actuellement, je suis dans un kebab, pakistanais. Là, autour du cou, j'ai une dent de requin. Si, oui, ça me dit quelque chose, ça. Ah. Ouais, une dent de requin qui vient de Madagascar. Et là, ça aurait été masterclass, c'est pas vrai, j'ai inventé. Oh. Il nous serait baisé. Putain, non, ça, il faut que vous la regardez. Marquez raciste, dent de requin. Vous allez trouver, je pense. Oui, je suis raciste. Ça, c'est la meilleure ref. Vraiment, elle est incroyable. Il est malade mental, ce mec. Merde, je voulais pas t'appeler à toi. Voilà, Marrakech. Ah, il y a des sirènes. Du coup, on fait quoi là? Ah, Marrakech. Non, mais je sais même plus pourquoi on devait faire un rendez-vous déjà. C'est toi, t'avais un rendez-vous avec Carla. Oui, mais je sais plus pourquoi. Pour que tu te fasses attraper par Camilo. Pour que tu la galoches. C'est elle là. C'est des mecs qui veulent la date. Ça va, les Hermano? Si, oui, bien et tout. Vous branlez quoi? Ah, ben tranquille. Hein. Ouais, attendez personne. Là. Merde. Allez. Pardon. Vous attendez qui? Les mecs devant la maison là. Les Italiens? Ah, les Italiens. Ouais. Pourquoi tu veux draguer Carla? Ouais, elle est mort. Non, on doit attendre là. Non, on ne peut pas draguer Carla. On doit passer pour jardiner. Là. D'accord. Les jardiniers. Hein. Des jardiniers aussi. Ouais, ouais. Non, bien les lunettes. Hein.
Les jardiniers. Oh, c'est, bien. C'est ce qui fait le jardinier de Gabriella dans Desperate Housewives, Vertigo. Il baisse Carla. Oui. Mmh. Vertigo ? Non, jure, il y a Vertigo. Non, un Vertigo. J'ai dit Vertigo. Un Vertigo. Et range ton téléphone par contre maintenant. Vertigo. Range ton téléphone. Maintenant que t'as dit Vertigo, tu vas vite ranger du fou. Mais oui, Vertigo, d'accord. Mmh. Je sais pas qui c'est. C'est bien. Ok, tant mieux que tu sais. Aya, comment il sait pas qui c'est ? Ah ben. Je sais pas qui c'est Vertigo, je sais pas qui vous êtes. Ah, c'est eux que t'attends, les Lost ? Non, non, pas les Lost, non. Et les Shangri-La, t'attends ? Ouais. Mais vous êtes qui, vous déjà ? Vous êtes qui, vous ? Les Neta. C'est qui ça, les Neta ? Oh, il y a une fête ? Je viens d'arriver de Porto Rico. Ah, y a pas de fête. Non, non. Vous êtes de Porto... Ouais, vous êtes d'où, de Porto Rico ? Si. Vous êtes de Trini, alors ? Ouais, ouais. Salut, Non, pas de Trini, on est... Que des rêves de rien. Vers Brooklyn. Entre Brooklyn et le Queens. Pourquoi on s'est jamais vu ? Pourquoi j'ai jamais vu d'autres latinos ? Combien de temps vous habitez ici ? 4-5 jours. Ah, ok. Non, bien d'arriver. Los Netas. Voilà, c'est tout compris. C'est ça, super. Eh ben, vous aimez bien ma coupe de cheveux ? Non, elle est sympa. Si l'on est 80, moi j'ai l'impression. Merci. Bien danser la disco, un truc comme ça, non ? Oui, regarde, je sais faire de la danse, attends. Regarde. Vas-y, vas-y, fais de la danse. Ouais, mais y'a rien qui va dans ta tenue, t'es au courant ? Regarde. En vrai, la tenue, ça va. Non, ça va vraiment. Je sais faire le robot. Oh. Ouais. Oh, il est chaud. Non, c'est fort. Non, c'est sombre, les gars. Je suis un robot. T'as arrêté ta carrière de danseur, mon gars, je crois. Regarde. J'ai des bras articulés comme un robot. Oh lolo. Si, tu fais le robot, c'est bien. Ah, tu me bloques bien. Mon bras. Je suis au robot. C'est quoi, vous faites un mélange de toutes les générations dans votre voiture ? Je suis un robot. Non, d'accord, on a compris que t'es un robot. C'est quoi ton prénom, le robot ? Tu veux choupe les fils ou... Enfin, si on lui dit son prénom, on dit lui faire une action, il l'a fait ou pas ? Non, c'est bon. Ils vont pas faire du jardinage, ils me prennent pour un... Je vais leur mettre des baffes parce qu'ils prennent pour un con. Des baffes carrément, oula, doucement. Ouais, des fessées. Ouais, hein. Je vais te mettre des fessées. Hein. Non, ça j'aime bien ça, les gars. Mais vous êtes qui, vous ? J'aime bien. Ouais, Tenzaïa, ça à la limite, tu mais non, nous, on cherche pas à savoir. Parce que si tu sais qui je suis, je te mets une balle dans la tête. Mais pourquoi tu es agressif comme ça ? Pourquoi ? Non, c'est vrai, t'es... Parce qu'il m'a pas dit la vérité directement. Mais c'est pas grave, tu crois tuer Selim Bravus ou quoi ? Calme-toi ! Il coupe pas, Miguel, oublie pas qu'il t'oublie pas. Écoute-moi. Même Selim Bravus Prime, je faisais pas ça. Allons. D'accord, eh ben, merci, gros bisous. Ça va, les copains ? Oui, ça va. Ça va, Vertutu ? Ça va, les gars ? Ça va, Vertutu ? Dis-moi tout. Vertutu, grimpe. On y va. Ouais, envoie-moi la pause. Vertutu. Quoi, vous me répondez pas ? Vertutu. Ah, je t'ai répondu. Moi, c'est Big Mac. Big Mac. Toi ? Je vais t'enculer, ouais. Mais je vais cliquer ta mère. Mais je vais cliquer ta mère. C'est plus que Vertutu go, là. Oh ! Aïe, comment lui ? Il peut dire ce qu'il veut. Sur qu'est-ce il, qu'il y a ? Moi, c'est pas Vertutu. Big Mac. Au revoir, Big Mac. Ciao. Vas-y, ciao. On va recevoir une pause, on va y aller, on va voir les Lost. Ouais, les Lost. Oui. Ouais, les Lost. Y'a une chica là chez vous là. Elle m'a dit un rendez-vous. Ouais, tout à fait, ouais. Attends, je te rappelle, Shadow. Shadow. Donc on le fasse où le rendez-vous ? Je sais pas, au pire, on va chez les Lost, non ? On va chez nous. Ouais, vas-y, on va chez vous. Vas-y, on se rejoint, on va chez vous. Ouais, vas-y. Et vas-y, c'est gaz. Shadow Flame. C'est un item de LOL, ça, non ? Ouais. Oui. Voilà, on a parlé de LOL, j'ai envie d'y jouer. Moi je vais aller sur le Valo. Ouais. Et moi aussi, moi je suis drogué de Valorant. Okay. Mais t'es quel rank ? Je suis platine 2 là. Ouais, voilà, t'as pas encore goûté vraiment. T'es fou, hier j'ai joué avec Katrimo. Va derrière. Ah, c'est trop. Tu fais là, j'ai un rendez-vous, je te rappelle. Ok ? Hier j'ai joué avec Katrimo contre 5 Imo. Mais c'est totalement différent. Ça va trop vite, sérieux, c'est trop dur hein. Non, tu me mets une table basse sous mes pieds, par favor. J'arrive. Merci. Bon. C'est qui que j'ai en face de moi, là ? Vertugo. Ok. Je vois pas de quoi tu parles. Changement radical. Ouais, bah oui, t'as bien vu ce qui se passe. Oui, j'ai vu ça.
Bon, on va faire rapide et simple. Il y a quelqu'un de chez vous qui est en prison. C'est ça, exactement. Eh ben, on va le libérer ce soir. Ce soir ? Ce soir ? Vous êtes vifs, vous ? On comptait pas le libérer ce soir, on a un plan à l'intérieur. Je vais laisser pour demain, moi, ça m'arrange. Ou après deux. Moi, on m'a dit de le libérer ce soir. Les Shangri-La ? Oui, mais c'est mon gars. Ouais, qui oui. C'est moi qui veux qu'on le décide ou pas, il a un téléphone là-bas. Attends, mais qui t'a demandé de le libérer ce soir ? Les Shangri-La, ils viennent de me demander ça. Oui, mais ils veulent qu'on libère son père aussi ? Non, pas encore. Son père. Attends, mais laisse-le répondre, ça se trouve, il y a un changement de programme. On m'a demandé de le libérer ce soir. Que Guero ou un autre ? De libérer une personne que vous avez en prison, vous. Oui, mais que Guero ou un autre personne qu'on doit on libérer ? On m'a dit une personne qui est en prison. C'est Guero. Oh, la barbe ! Ouais. Wow. Donc, on fait comment ? Faut m'expliquer, on va dire un peu la situation. On le libère demain. Moi, on m'a dit ce soir, donc ça va se passer ce soir. Donc là, vous nous forcez à libérer un méga. Une team Jumplife Valorant. C'est eux. Ça serait trop bien. C'est pas prévu. Avec vous, non, on m'a dit de vous aider. Mais c'est vrai que ce serait incroyable. Exactement. C'est pour ça que je vous ai dit demain. Le problème, c'est que moi, demain, j'aurais pas rempli ma part du marché. Non, mais moi, j'appelle les Shangri-La et je vois avec eux. Parce qu'ils ont cru me rendre service en faisant ça. Et bah, vois ça avec eux pour demain dans ces cas-là. Attends, j'appelle la main. Falloir vous sub, quoi. Pourquoi on le pousse à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Va falloir vous sub, quoi. Maintenant, on fait maintenant. Après, on peut tout faire. Dans ces cas-là, on trouve une situation, on réfléchit à un plan. Je suis face à ça par rapport au truc. J'ai pas compris. Parce que bordel. Maha, il veut sa team Valorant, je crois. Non, pas forcément soir. Il m'a appelé, il a le téléphone, il m'a dit qu'il pouvait gérer le plan qu'on avait. Ah, Crapsito, il veut sa team Valorant, je crois. Je sais pas ce que t'en penses. Mais parce qu'ils ont peur de pas tenir à leur parole. Vas-y, dis-moi ton idée. Ah, il devrait me verra, il veut sa team Valorant, j'ai l'impression. Pour quand ? Ça, il me faut une date, moi. Il a aimé le Frost aussi, il l'avait. Ouais, pour sortir tout le monde de là. Il me faut une date. Si demain ou après demain. Au QLF, il a fait une team. Si on prépare avec les Lost le plan pour demain ou après demain, tout le monde sort après demain. D'accord. Il l'avait aussi. Par contre, j'ai rien écouté à ce qu'ils sont dit. Ok. Soit moi j'ai quelqu'un à l'intérieur qui va pouvoir nous donner les informations pour que dans 4 jours on fait un plan d'attaque et on fait tout sauter. Mais on va tenir 4 jours. Merci Makoto. Peut-être, c'est juste à nous de pas faire les trous du cul, c'est tout. Soit on y va, on le libère là, mais bon, il vient juste d'être arrêté quoi. C'est-à-dire, il va savoir dans quel bâtiment il est, tout ça. On trouve que c'est un peu trop tôt pour le sortir directement quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je parle là au Vagos, à Damel. Ouais, moi je pense qu'il vaut mieux attendre le temps qu'il s'y fasse un peu avec la prison et tout. Moi je connais pas trop. Moi je pense qu'on prend des crosses, on met un tremplin derrière les murs, on monte en cross, on prend le tremplin, on saute dans la prison, on descend des motos, on braque les gardes, on libère les autres. Oui, merci Rami. En braquant les gardes. Ouais, en moto, on ressort. Ça, c'est une idée de merde. Merci Ravi, putain, mais il est trop con, Mercure. C'est quoi ton idée, toi ? Bah, là, vu qu'on vient de me le dire il y a 4 minutes, faudrait peut-être me laisser 10 minutes de plus. Non, mais après, comme mais il m'a dit le Don, il m'a dit on n'est pas obligé de sortir ce soir, on peut le sortir. Comme je t'ai dit, on a 4 jours de battement devant nous. Il faut juste que vous travaillez un plan, vous m'envoyez les affaires que vous avez besoin, et moi, je me démerde. Ding Zurek. Pour les savoir. Ding Zurek. Avoir un mec à l'intérieur, c'est un avantage considérable. Hein. C'est c'est pour ça. Qui reste dedans. Hein. C'est ça que je suis en train de me dire. Après, ce serait pas intéressant de charger un camion plein de C4, faire exploser cette putain de porte, rentrer dans cette putain de prison et sortir. Oui, on ramène. Ça, ça, non, ça, c'est on prend un tank, on prend un tank. Ah, bah, c'est en nous ton tank. Ouais, tu saurais dégoter un tank, toi. Sur le Darknet. J'ai encore mieux. Tu le reçois par la poste là, la meuf qui est chez vous, là, j'ai oublié son prénom. Ouais, non, Naya. Elle peut postuler pour faire surveillante, un casier judiciaire. Les personnes qui n'ont pas de casier judiciaire. Ils se présentent pour être surveillants pour que eux-mêmes puissent rentrer. Ouais, je voulais une team Valo ou vous voulez une team Valo avec eux là avec Scream là, les mecs. On prévoit des dépits, parce qu'ils font tout sauter. C'est beaucoup trop gros et il y aura beaucoup trop de morts derrière. Et bah, comme quoi, les gars, quand je vous avais dit que la petite voiture qu'on a, ça pouvait être intéressant. Ouais, mais elle est plus là, je crois. Il bouffe tout ça. Non, je te garantis, elle est là. Scream, il gagne autant que moi. Merci, Wayen. On se renseigne sur la société qui blanchit les vêtements, ce genre de conneries ou un truc comme ça. Une société externe qu'ils utilisent soit pour les vêtements, soit pour réparer des trucs. Tu as une vraie grosse barbe, très belle.
Je mets de l'huile de ricin. Merci. Ouais, regarde, il y a des miettes de pain là-dedans, c'est dégueulasse. Attends, tu ferais manger toute la Somalie. Ouais, oh putain, il a raison. Attends, t'es un gros dégueu. Pourquoi tu fais pas passer par le marché? Est-ce que ça existe des bikers qui sont pas racistes? Non, vous êtes pas racistes. On est patriotes. D'accord. On est vrai des patriotes, mais on aime l'Amérique. Ça marche. Et on aime la diversité, surtout si c'est des femmes. Au revoir, les racistes. Non, les hommes aussi, ça nous va après. Ouais, non, mais les hommes, toi, ça te va pas. Est-ce que ça existe un groupe de bikers, juste un? Hey Miguel, faut que t'étais pas là, toi. Mais tu te rappelles à la prison comment on a fait? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qu'on se déguise en pompier, qu'on fasse rentrer des trucs et tout, tu vois, oui. Pour qu'ils puissent se libérer. Ça peut être bien. Mais je crois pas que tout le monde est chaud pour faire ça. Et maintenant, moi, je te dis, on trouve des gens, on paye, on a, je crois, 160 000 $. On fait un petit tunnel et on essaye de le faire sortir où il faut. Hein. Attends, sorti, ma après, ok, ça c'est une idée, mais allô, comme on dit, on a encore 3-4 jours. Allô. Attention, ORS. Non, ils les ont enlevés. Ouais, senti, mon frère. Dis-moi. Je vais y réfléchir. Ok. On demande à Lorio. Lorio, il sait faire des plans sinon. T'es où là? Lorio, c'est faire des plans? Oui. Dans le Bronx, on est à le dernier. On va. Ben, vas-y, on se rejoint quelque part là. On roule. On réfléchit à un truc. Vas-y. Quand on se croise, tu me passes. En gros, le meilleur truc, c'est que les poyas soient au courant. Mais pour que les poyas soient au courant, c'est soit une prise d'otage, soit attaquer de front. Et ça, tu vois, c'est. Vas-y. J'ai un peu la flemme de faire ça parce que c'est bon. C'est... Alors que le tunnel. En fait, le tunnel, le seul truc, c'est que. Tu vois, on va pas le creuser nous-mêmes. Attends, depuis tout à l'heure, je réfléchis. Et ça, c'est un peu. Tu sais qu'il est vraiment con. Mais tu vas faire une OP de quoi, Carla, mi corazón, là? La prise des herbes. Oui, j'ai oublié de l'enlever celle-là. Je vais les retirer. Désolé, mais Carla m'a envoyé un nude. Mais t'avais vraiment oublié? Quoi? Jure, mon. Je regarde, je regarde. J'ai plus le temps. Mais non, mais envoie-le nous. Oh là là. Comme on dit, je lui fais un trabajo. Je la travaille au corps. Hein. Et Miguel, tu pourras jamais la niquer, on pourra la niquer à ta place, c'est pas vrai. Mon frère. Pourquoi je pourrais pas la niquer? Bah t'as pas de couilles. Si, je bande. Comment ça, tu bandes? J'ai bande, mais j'ai pas de coronesse. Tu peux pas bander si t'as pas des vidéos. Bah si. Je le savais. Mais non. Ah, mais ah oui, c'est vrai qu'il a plus de zub. Putain. Voir, je touche là. Non. Tu veux tu touches mon tub? Ouais. Non, mais regarde, Vertigo. Attends, regarde, on vient là, on met des rampes. On arrive avec des crosses. En tout cas, c'est Fast and Furious, quoi. Non, non, il passe de il parle de Point Break. Attends, écoutez. Regarde, on met des rampes, on arrive en crosse comme ça. Tac. Ouais. Là, boum, on saute. Imagine qu'on est en train de sauter. On saute, on arrive ici comme ça, on atterrit. Boum. Okay. Et après il faut qu'on vise. Rampe d'autres disent après, il y a des cages, il y a les cages, on peut pas sauter. Si après comme dans le je vous jure, t'as raison, il y a vraiment beaucoup de trucs, il y a moyen de faire des bons trucs. En vrai oui. Après, va au GPS. Attends, il faut que tu prépares un plan. Demain, je vais. T'inquiète, je vais trouver un truc. Moi. Tu vas t'y pencher, Radamel? Oui, oui. Mais je crois que demain. L'idée des crosses et de la rampe, ça il tient cœur. Et prends et parle avec, avec le petit Greg, il va t'aider sur les plans, il va te trouver des. En gros, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'on peut tout faire. Oui, on peut tout faire. Mais faut juste que, t'as vu, ça soit pas. Pour mettre au courant et tout. Ouais. Enfin, non, mais pas mettre au courant, il a mis la tête de la liberté en une après. Pitié, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, le con de ta mère? Ça me fait rire. Après, c'est encore faire des TikTok en plus. Tu veux pas que je sois heureux? Si, sois heureux. Oh, tout ce que je fais avec Carla par derrière, c'est pour te rendre heureux, pendejo. Tu lui fais quoi, Carla, par derrière? Tu lui fais quoi? Je lui casse le couloir. Non, mais tu lui casses le couloir. Mais là, elle m'a appelé, là, Carla. Elle m'a dit, j'ai demandé, je suis parti à l'église. On m'a dit que pardon, ces trucs, si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Je suis amoureuse de Miguel, c'est vrai. J'ai une question, est-ce que vous vous souvenez quand on a kidnappé le prêtre, il devait pas avoir une suite à ça? Ben non, mais après, c'est les Italiens qui gèrent, c'est leur histoire. D'accord. Pourquoi tu penses à quoi par rapport au prêtre? Je sais pas. On peut faire une messe? Ouais, mais à l'intérieur, tu penses? On se déguise en tant qu'enfant de cœur? Bah oui, nous, c'est pas. T'es pas là, on est parti à la. En fait, ce que j'aime bien avec cette ambiance là, c'est que t'as vu, on est détendu et tout. Mais à tout moment, contrôle de police, c'est la fin. C'est ça qui est terrible. Dans le secret story, dans le truc pour confesser, et comme ça quand il va se confesser, hop, il rentre dans le trou. Mais Miguel, si on fait le tunnel, on peut faire un système d'alarme, que l'alarme elle sonne et qu'ils disent évasion de prison, non? Oui, mais tunnel, c'est bof de manière générale en vrai. Ok, d'accord. Oui, santé, comme d'habitude. En fait, que ce soit un tunnel en mode, tiens, on rentre dans un bâtiment et bref, comme ça là. Alors. C'est comme ça, c'est absolument. Radamel, prends ce qu'il y a dans la boîte à gants, c'est pour toi. Et 16 000 $. Je te passe demain, c'est bon? Tu le colles S, bien. Super. Et toi, René? Calme, sang.
Oh merde, je jure, je visais pas là-bas du tout, promis. La voiture. Bah non, tant pis. Aïe! Pourquoi il est parti derrière? Non! Et merde. Mais j'ai récupéré. Non, j'ai récupéré une clé de voiture. Je te jure, j'ai récupéré. Attends, parce que j'ai récupéré c'est terrible. Coaché. C'est pas ça qu'il fallait que j'ai récupéré. Non. Ok, c'est bon. Ils étaient pas? Hop. Non. C'est pas, mais t'inquiète, c'est bon. Jacques... Voir, alors, pour... Essaie de voir comment il s'est évadé, Jacques Messerine et tout. Jacques Merine. Mais bah, c'est qu'un hélicoptère. Ouais, Redon Faïd aussi, non? En fait, c'était soit c'est que de l'hélico. Mais t'inquiète, je te jure, je vais. Ok, et à l'ancienne, avant qu'il y ait des hélicoptères, genre les gangsters de l'époque. Bah, il faisait un trou derrière un poster comme Alcatraz. Non, il faisait sauter la porte. Voilà. En gros, il prenait. On leur faisait des trucs à l'intérieur. Et l'intérieur, ils font. Comment il s'appelle El Chapo? Il a creusé un tunnel dans ses toilettes lui aussi. Ils font beaucoup de tunnels là. Il n'y aura pas de tunnel. C'est Redon Faïd non, qui a fait les trucs avec les explosifs. Et les hélicos à la fin. Ah, regarde, au pire des cas, nous Miguel, on va juste trouver un travail pour lui faire rentrer le matériel et le faire sortir. Hein. Parce que peut-être. On a les tenues de prêt, d'avocat. Oui, on fait rentrer le matos et lui il se débrouille pour sortir. On sait pas. On a un ami à nous, pas plus en bureau. Hmm. C'est pas on a encore à voir. C'est un plan où t'as vu les. Comment te dire? Parce que le déguisement et tout. T'es plus à Yeslav, LMS? Ouais. Pauvre Miguel, pendant que. Mais moi aussi, je réfléchis, hein. Quand je fais ça, c'est que je suis en train de réfléchir. Et non, moi je peux pas, c'est pas mon business. Ah ouais, tu sais pas faire ça? C'est pas que je sais pas faire, je faisais ça avant. Y'a que le cartel qui a ça, le cartel qui s'intéresse à rien, qui est invisible. C'est eux qui font les labos. Ah, c'est vrai, hein. C'est qu'eux qui ont les labos, mais je les encule. Les Audi, ils les ont mis contre le mur comme des petites salopes. Je suis vraiment trop moche. Ah, franchement, la coupe afro là, bizarre. Essaye de trouver un petit labo pour faire pas beaucoup, tu vois, un pistolet, Beretta, ouais. Munitions, surtout munitions et vas-y, on va dire un Uzi ou. Parce qu'en fait, ils ont cédé la fabrication des munitions. À une famille. Quelle famille? Les ados. Mais je les encule aussi. Y'a que deux familles qui tiennent. Hey, je suis plus petit que ça, même pas comme ça. Donc soit bah, tu sois avec moi. Moi, t'as bien vu. Moi, je suis avec toi, mais je peux pas te créer des business que je n'ai pas. C'est pas tu crées, c'est que tu trouves. Tu trouves à Caio Pico, tu fais, je sais pas, tu fais le lien, tu trouves des fournisseurs, on s'en bat les couilles. Y'a pas que une famille. Y'a pas deux boîtes de munitions dans tout Liberty City, hermano. Bah à l'heure actuelle, oui. Bah faut se bouger le cul et en faire une autre. Quoi, il a pas de concurrence, le mec? Bah non. On va de ses concurrents, je m'en bats les couilles. Faut que tu trouves, Santi. Ok. C'est bon ça. Qu'est-ce que t'as à faire? Parle avec tes collègues. Je suis trop détendu, Camilo. Limite, je m'ennuie. Ils sont où les poyos qui veulent m'arrêter, là? C'est moi qui vais commencer à vous arrêter et vous faire une loi Rico, hein, si ça continue. Je vais tous vous attraper un par un et je vais vous enfermer dans des prisons. Et quand j'en aurai marre que vous soyez dans la prison, je vais tous vous tuer. D'accord? C'est une dizaine ou des trucs comme ça. Parce que tu veux te faire de la plata ou tu veux faire les armes? Je veux faire de la Hermano. L'un va avec l'autre. C'est de la plata. Ouais. Les armes, bah écoute, les armes, Hermano, ça va. Tu vois, pour le moment, on va dire que ça va. Après la plata, je peux mais non, ça, non, mais non, c'est quoi que tu vas me faire faire? Des armes. Vendre de la drogue. Non. Je vais racheter le dernier, tu veux venir me faire un coucou? Si jamais il y a un souci, on va aider quelqu'un d'autre qui doit faire une mission. Je vais au garage de le dernier, tu veux venir me faire un coucou? Non, Carla, mi corazon. Toi et ton coucou, vous allez un peu vous faire foutre. Là, je suis un peu occupé, c'est mon tour, là, c'est moi qui suis occupé. Voilà, je suis sur des trucs, des affaires sombres. Les Poyos, ils ont une unité spéciale, bref, dedans, il y a l'avocat, te demande pas. Ils doivent aller tuer quelqu'un à Caillou. Les corsaires.
Bah je sais pas. Pourquoi je suis pas un corsaire moi, là-bas j'étais un corsaire. Ils doivent vraiment, ah, ils ont une mission d'aller tuer quelqu'un à Caillou dans la... aujourd'hui ou demain je crois. C'est qui le nom? Je sais pas, je vais essayer de l'avoir et je te dirai. Ok. Bon regarde, renseigne-toi si tu peux sentir. Moi je me renseigne pour le... Mamma mia, comment ça va se faire foutre? T'as vu, ils ont pas de concurrence, ils ont pas de concurrence aussi. C'est quoi ces affaires sombres, dis-moi? Non, parce que depuis tout à l'heure je t'attends, là tu me parles d'un petit coucou alors qu'on doit faire un rendez-vous important où tu dois me parler d'un truc important. Donc moi je suis là, je te dis, oui, c'est bon, je peux venir, après toi tu me dis non, et après tu me parles de te faire un coucou. Donc ton coucou, il va se faire foutre, pas toi Mikoras, toi tu vas pas te faire foutre, hein. Non, 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 pas toi. Par contre ton coucou, oui, il va se faire foutre. Que j'envoie des vocaux, ils sont trop longs sa mère. Une coupe moche, mais le serviette il est pas mal. Merci Santi, merci, toi tu es un bon toi. Tu fais quoi depuis tout à l'heure, MIG? Tu m'as dit quoi, hermano? Tu fais quoi depuis tout à l'heure? Bah je réfléchis à un plan pour l'évasion. Ah ouais? Moi je pense, pendant la promenade, on envoie des grenades fumigènes dans la cour, d'accord? Ouais. Ah merde, il y a une cage. Il y a un toit, putain. Ouais. Ok, ben j'ai plus de plan. Ah non, après si tu poses l'hélico sur la cage et que tu fais sauter la cage, enfin tu découpes le grillage. Et on tire la cage avec l'hélico? Non, 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 non. Sur une disqueuse. Tu découpes la cage, le toit de la cage. Mais là, pendant ce temps, les miradors, ils nous ont déjà abattus. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On met des équipes de snipers autour qui abattent les miradors. Bon, ok, je dis à mon coucou d'aller se faire foutre. L'American Sniper, là. Non, plus sérieusement, du coup, tu me dis quand tu es disponible, Ben. Et voilà, je finis mon truc et c'est bon, je suis disponible. D'accord, Mikoras-san de mon amour, de ma vie. Toi, tu me dis quand tu es disponible et moi, après, je me rends disponible. Car tu es la reine. Parce que parfois, c'est bon. Ah oui, mais faut croire, alors c'est pas. Ouais, c'est rare. Je continue à tenter, même des idées de merde, je continue à les dire, tu vois. Je sais jamais. Non, après ouais, mais t'es sûr qu'en promenant ils sont dans la cage? Bah quand nous on y était, on s'est promené, c'était dans la cage. Bon c'est bon Santi, c'est bon, c'est réglé. On va... Le Don il va pouvoir me débloquer enfin, des armes. Là on va en rendez-vous avec le Don là. Non non non, on n'a pas rendez-vous. Pour demain on pourra avoir ça. Donc toi, maintenant quand déjà ils ont besoin de munitions, tu passes plus par les salopes de Guisador. Ouais oh, c'est bon. Tu m'appelles. De toute façon on va stocker au même endroit, tu me dis et voilà. C'est bon, on fait ça? Pas de soucis. Vas-y, Santi, on s'attrape. Vas-y. Et ouais, demain, n'oublie pas la platin pour celle-là. Miguel, il aime pas les grandes conversations. À chaque fois, il est obligé de faire du catch. Et pour que je réfléchis à un plan? Mais moi, je pense qu'on laisse Lorio faire. Ouais, mais Lorio, est-ce qu'il a... Il est pas là avant dimanche, Lorio? Ben, on le fait dimanche. Non, en gros, avant dimanche, il va revenir, il va travailler un plan. Après, oui, ça rentre dans les. Dans... Moi, juste là, actuellement, ah, la soirée je drift. Plan, mais après, je prends trop. Faut regarder des films, les gars. Ouais. Et Miguel, on va avoir un peu de vent d'armes, mes petits. Il y a les keufs devant, il y a les keufs devant. C'est pas n'importe quoi, Miguel. 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 Pourquoi il m'écoute pas, MIG. Ça va? Parce qu'il a une jugular, il a remis 3 virages et il n'y a plus de flics. Non mais... Ah c'était les trucs. Ouais. Non on n'a pas tapé, t'as un menteur. Voilà c'est fini, ils ont tourné de l'autre côté. J'en ai marre d'être le GOAT. Non c'est l'aventure de ouf surtout. La voiture de GOAT. Michael est mort. Oui, alors c'est quand t'attaques Caillon? Oh putain. Est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal de dangereux sur vous déclaré? Pour le moment, non. Pas de truc, tout ça, on est... Oui. Comment c'est la palpation? Où est votre truc coupant avant la palpation? Je crois qu'il m'a blessé. Merde. Non. Okay. Oui, normal. Putain, si on s'arrête, ça passe bah, ou pas? À tout moment, là... Ok, bah je vais l'appeler, je suis sur le courant. Miguel. Bah là, délit de fuite, ils sont obligés de mettre la main. Attendez, faut que je me redresse, non, parce que là, je suis affalé avec les pieds sur mon bureau. Attends. Ok. Okay. Mode sport, Miguel. Mode sport.
Enfin, il va faire un saut, on va taper un mur. Hein. Merde. Ok, là je suis placé vraiment, là c'est bon. Vas-y. Ok, parfait. C'est vrai que ça va vite une jugular, hein. Non, surtout en descente. Combien de voitures on va pouvoir changer, ça met... Bah on en a encore une au nouveau quartier, la noire, là. Et si... de couleur. Ah mais Miguel, pourquoi que je te dis d'arrêter de drifter, t'as pas arrêté? Je regardais derrière moi, j'étais pas concentré. Je me casse les couilles après. Ah, t'as vu, il sort une excuse de merde et toi tu le crois en plus. Là c'est vrai, m'écoute pas. C'est Miguel, il est comme ça, il m'écoute pas. C'est Migé, hein. Ah c'est vraiment... Migé Moula. Regarde, ah merde, je voulais faire Walid. Fils de pute. C'est qui? Un mec qui conduit bien. Ok. En vrai, tu penses que ça joue Walid NQS? Je pense que Walid il était NQS, Hermano. Ah ouais, moi je pense que NQS il le tue. Hein. Non, je pense vraiment que Walid était NQS. Ouais. Ah, moi je pense que faut vraiment, vraiment. Ça se la donne vraiment. Non, ça se la donne, ça se la donne. Ah, moi je mets une pièce NQS en vrai. Hein. Mais non, parce qu'il a pas la feinte, c'est tout. Oui, mais NQS c'est son prime en ce moment. Non, oui, parce que en fait NQS il est très fort en feinte, mais Walid il est très fort en conduite. Il conduit trop bien. GG, voilà, ça n'a rien à voir. Il connaît le délire de prendre un trottoir dans un village. Ouais, mais NQS il connaît. Là, vous savez, depuis tout à l'heure, sur chaque voiture qu'on a, il m'envoie 5 feintes à la seconde. Oui, non, oui, mais il connaît la ville par cœur. Oui, ça oui, non, mais oui. Mais en gros, Walid conduit mieux. On parle pas en feinte, on parle en conduite, c'est-à-dire que ouais. Mais du coup, en course-poursuite, si un chasse l'autre. Je pense en flic, NQS il rattrape pas Walid, mais Walid il rattrape pas NQS en flic non plus. Je pense que les deux sont forts pour semer, mais. Dis-toi qu'un jour j'ai vu avec Walid et j'ai vu comment il conduisait, ses doigts, comment ils font. Oui, il fait peur, il fait peur. Ouais, il sait exactement comment prendre le virage, comment le trottoir, à quel niveau. C'est vraiment un truc hardcore. Hein. Merde. C'est un truc que je voudrais voir quand même. T'as vu ta coupe, tu l'as pas enlevée, Louis. Alors qu'on te reconnaît grâce à ta coupe, toi, pendejo. C'est dans la coche, c'est normal. J'ai un verre et vers le non. Faudrait que tu fasses une coupe secondaire. Il y a eu un débat entre les deux, mais vous avez oublié ou quoi raconter. Il est chaud, hein. Non. Non. On est mort. Prochain virage, on tape. Oui, en gros, moi je suis un conducteur, ok. Je conduis, voilà. Et au shoot, c'est qui a le meilleur shoot entre toi et Walid? Je pense Walid. Ah ouais? Mais Hermano, moi regarde. C'est un shooter, si. En fait, je tire bien. Ça fait longtemps. Hein. Mais en gros, t'as vu, Walid, il était plus ici et tout. C'est-à-dire, il était dans les endroits où il y avait encore des gunfights tous les jours et tout, tu vois. Oui, ah ok. Moi, ça fait combien de temps qu'on a pas fait un gunfight? Ça date sa grand-mère. Tu vois pourquoi? Moi, depuis que je suis revenu ici. On sortait cet après-midi. Zéro. Donc forcément, là moi, ça va y est. Après ça se perd pas. Après ça dépend, ici c'est pas les mêmes déjà. Vas-y, y'a deux motos de flics sur nous, putain, mais casse les couilles. Eh ouais, je t'avais dit, fallait le libérer aujourd'hui. Appelez Guerrero. Diaguerro, on arrive. Fais gaffe. Vous prenez ça à la rigolade, vous vous enculez. On a des pompes, ils nous arrêtent. Voilà, y'a un tech 9. Je suis un connard. Allez hop, voilà. Le problème, c'est que t'as vu les sacs poubelles comme ils sont solides? C'est un truc de fou. Bah oui. T'as déjà vu des sacs poubelles aussi solides? Ça dépend, y'a quoi à l'intérieur. Oui, bah y'a des parpaings. J'ai un vrai VS. KN VS Walid. Walid? Non. C'est NQS qui peut le tenir. KN, je te jure que même NQS, il le tape. Il mange. Non, vraiment. Je crois que vous le sous-estimez trop parce qu'il fait que défense. Vous savez pas qu'il passe de 14h à 22h. Mais non, c'est pas ça qu'on dit. En fait, il conduit super bien. Mais en gros. C'est comme débat CR7 Messi. Pas parce que t'aimes l'un que l'autre, il est nul. Non, mais là, c'est même pas CR7 et Messi. Là, c'est en gros. C'est en gros, il y a CR7 et Messi, c'est Walid. Et l'autre, c'est Neymar, tu vois. Qui fait plein de trucs. Non, mais c'est Neymar, voilà, il est très fort et tout. Mais il est pas. Si on va dire top 1, top 1, top 2, pour moi, c'est eux. Non? Après, c'est. Bref. Il faut y a des cracks. Pour suite, là, il y a du monde. Vas-y, tape le. Tu veux un autre vrai débat qui peut faire un bordel? Non, vas-y, laisse-le se concentrer. Malcolm ou ma famille d'abord?
ma famille d'abord. Malcolm, tous les jours. Tous les jours, Malcolm. Malcolm, tous les jours. Évidemment. Ma mère, tu me racontes. Famille d'abord, tous les jours. Famille d'abord, ça pue. Enfin, ça pue pas, c'est trop bien, mais Malcolm. Malcolm. Jamais regardé. T'as jamais. Quoi ? Arrête, non. T'as trop de la chance, hein. Vraiment, regarde. Ah ouais, en vrai, tu vas pouvoir regarder. T'as vraiment de la chance de fou. Jamais, rien que l'épisode du feu d'artifice où il fait jour, c'est une dingue. C'est le petit frère, là, le petit, là, il me fout la haine. Ouais, senti. Ouais, regardez. Ouais, mais attends, là, le problème, c'est que bon, j'ai. Il m'en a envoyé une, là, mais Miguel, je sais pas si tu peux la réussir. Je te rappelle, senti. Je pense que j'ai pas besoin. Vas-y. Oula, j'ai porté l'œil, merde, non. Ouais, ouais, c'est fini, on est mort. Ils peuvent nous enfermer, on est fini. Mais non. Oh non. Mon dieu. Oh. Vérité, MIG. Moi, j'ai confiance en toi, MIG. Bombarde, hein. Je suis gueule. Oh oh. Bueno. Regarde pas derrière, on le fait pour toi. Ok. Ils sont plus là en plus, hein. Que je me suis dit, c'est obligé de regarder derrière, là. Chut. Là, je suis... C'est bon, c'est fini. Le bac, là. Oui, il y a plus personne. On va changer de voiture, par pitié. Bah, gauche, il y a les AOD. Ah, t'imagines, en haut à gauche, il y a nos têtes, là. Putain, j'espère. Ça, Miguel, il va là. Enfin, AOD, c'est TTX. Mais... Bah oui, va ouais, chez ouais. Les AOD, on a nos voitures. On a okay. Une dernière voiture, c'est vrai qu'ils connaissent pas. Ce serait vraiment la merde, hein, si on aurait... Mais pour terminer le débat, je pense vraiment que Walid est le meilleur conducteur de GTA RP. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Okay. Voilà. Genre, c'est Cal Junior, tu peux pas le faire. Ouais, c'est vrai. Ici, Vertugo et Radamel, ils auront pas... Non, personne à l'arrivée de Cal Junior, vraiment. C'est eux, quoi, bien sûr que je l'ai. Mais regardez, elle est pour rien, c'est encore des... C'est le mec de Trackmania. Oui. Ouais. Je suis plugué, moi. On pourrait mettre des Hers ici, et t'as vu, il faut prendre à fond, et on prend à fond, on passe au-dessus des Hers, et eux non. T'es bon en essence ou pas? Oui. Combien sur combien de pourcents? 40. Ok. 40%. Ça va, ça va. S'il te plaît, arrête-moi ça. Le problème, c'est que t'as vu, sur le GPS, tu vois pas les routes. Non, on voit pas de GPS tout court. Ah. Pas vous aider. Avant la dernière mise à jour du GPS, on voyait bien les routes. Mais leur voiture est bombarde aussi, hein, parce qu'on a une Jugular. Aïe. Ils vont taper. Et ouais, tous les bancals. Tous les poils sont bons conduits ou quoi? Ils s'entraînent. Les poils, c'est des entraînements, pas nous. La voiture. Miguel, t'as vu quand t'avances et que la voiture elle arrive pas à passer la vitesse? Oui. Tu lâches l'accélérateur et tu le reprends. Comme ça tu rétrogrades et tu vas plus vite. Je crois que ça, c'est taille cette feinte là. Je crois que je l'ai plus passé depuis 2019. Si, si, elle passe encore des fois quand les mecs ils tournent. Ah ouais, elle passe. Mais maintenant ils savent, ils suivent de loin. Mais je crois que ouais, là ils sont prêts en vrai. Hein. Oh non. Non. Oui, là ça passe pas. On fume. Oh merde. Oui. Appelle Guerrero. Pour ça, oh non. Guerrero il est mort. Ah, il est pas là, Roberto ou Guez? Faut être juste en ville. Pour venir là. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas tourner à droite là. Là, je vais les braquer, hein. Et au moins, on aura. Il y a qu'une couche. En vrai. Hein. Juste faut me dire parce que là, je suis au fond de mon siège, les gars. Moi aussi. Quoi? Il est arrivé quoi? Quoi? Il nous a entendu qu'on allait les braquer? Non. Peut-être. GG. Ou un truc plus important. Putain, so on a acheté la AOD. Ah, les escaliers là. Ah, go AOD. Et on prend la voiture noire et on se casse. Pas les clés, Louis? Vertugo, il les a. La voiture noire, non? Ouais, si, si, c'est toi qui les avais. Je jure, je les ai pas. C'est toi ou Miguel, mais un d'eux, en tout cas, il les avait donnés, donc c'est sûr. Cache-la. C'est vrai que c'est... J'ai perdu, Fouron. J'ai perdu, je crois que j'ai retapé la R. Il y avait un mec ici. Attention, il y a une R. Ah, c'est en haut. Il y a peut-être Raphaël, mais Raphaël
Non, faudrait mettre la OG à l'intérieur. Parce que là, c'est cramé. Là. Attends, je vais enlever la L, ce qu'il y a en haut. J'ai oublié de l'enlever. Enlève-la toute seule, non? Pas vite fait, tu l'enlèves. Bon, on va déplacer les deux. C'est le quoi? Non, mais je pense qu'elle est invisible. Je pense qu'elle est invisible, tant pis, qui l'enlèvera? Faudra faire gaffe. On va où là, du coup? Moi, il y a un monde où je vais voler rentre après. Surtout. Tu es quel élo, toi? Là j'ai un compte Gold 3 que je suis en train de monter. Non mais ton main Diamant 2. Pourquoi tu joues pas sur ton compte Diamant? Parce que je l'ai prêté. Tu l'as prêté à qui? Ouais, il est banni. Ah. Ça le mérite. Vas-y, tu veux qu'on joue ensemble après? Si tu veux. Vas-y. Putain, le truc bon, de l'underground. Par contre, moi j'appelle Carla, si jamais elle me répond pas c'est demain. Si alors? Oui, Carla. Mi corazón, mi amor de ma vida. Soit rendez-vous, soit je vais dormir. Merde, mais oui, mais merde. Merde. Quoi? Putain. Mais c'est où? Oh, le magasin. Bah voilà, mais... On peut aller au magasin de vêtements. Excusez. Rocco, mais dis-moi. Oh, mamma mia. Allô? Mais quoi, mais t'aurais... Allô. Je suis ta pute. Tu m'entends avec moi? Oui, je t'entends, oui. Allô. Si, désolé, oui. Oui, désolé, t'as mon cucino qui est trop con là, bref. Oui, oui, dis-moi. Rendez-vous, je vais dormir. Non, tu vas pas dormir. Bah si, je vais dormir. Stop là, t'as encore 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes, oui. 30, non. Je dépose mon cucino. D'accord, ça marche. Allez, ça marche. J'arrive. Dans 5 minutes, rendez-vous. Marie, on en est où? Mais Marie, faut vraiment la tuer, hein. Mais c'est pour ça. Non, sérieux, Walid, il conduit trop bien, vraiment, vraiment. Désolé, NQS, mon frère, hein. En fait, je pense, imagine, tu mélanges un mec qui conduit aussi bien, mais qui connaît aussi bien les feintes que NQS. Mais sur LS, ou Walid, aïe, il connaît toutes les feintes, hein. Oui, pas, Carla. Bon, je suis disponible. D'accord, ben on se voit où, quand, comment? Aïe. Bah, quand la réponse est réglée maintenant. D'accord. Et tu veux qu'on aille où? Envoie-moi une position, on j'arrive. On va se mettre, on se met, viens, attends, on se met près du truc où je dois rester prêt. Okay rap, quel truc où tu dois rester prêt? En gros, il y a un braquage, je dois rester par très loin du braquage. Donc, c'est à la fête foraine, enfin, près du Hot Bitché, ça te va? D'accord. Je t'envoie la position. Allez, à tout de suite. Mais est-ce que tu l'as vu la vidéo? Okay. Du mec qui dit tu sais que ta meuf c'est vraiment une meuf pas bien. Elle essaye de mettre l'essence, elle crache sur le bout. Est-ce que tu l'as vu? Bien sûr, j'ai vu. Mais j'ai vu la vidéo originale où la meuf crache. Elle crache sur quoi? En gros, elle dit ouais, tu sais que ta meuf c'est pas une meuf bien quand? En gros, la meuf qui veut mettre de l'essence, elle arrive pas. Du coup, genre, elle crache sur le bout du tube pour que ça rentre. Ok, j'ai compris. C'est par rapport à la bite. Bah oui. Oui. Par rapport à la bite. Là, oui, c'est marrant. Du coup, rendez-vous ou pas rendez-vous? Oui, rendez-vous. Salto avant. Non, on l'a réussi une fois le salto avant. Oui, on l'a réussi une seule fois vraiment toute la carrière. Rendez-vous avec qui? Carla, moi. Oh. Nous. Oui, mais après, vous pouvez rester cachés. Tu comptes faire quoi à ce rendez-vous? Je sais pas, elle m'a dit il faut qu'on se voit pour parler. Tu l'as déjà envoyé un nude ou pas? Moi? Un nude de moi? Ouais. Non, jamais. Je devrais? Je devrais, hein, bah ouais. J'espère qu'elle choque du chibre que t'as. J'ai pas un gros chibre. Ouais, mais. T'imagines, il a pris une photo, il a plus de boules, il a trop. Il y a qu'un bec. Mais tu es pas Carla toi? Allez, sur le truc en bois là. Quel truc en bois? Je sais pas comment vous dites en américain là, le truc. Le ponton? Si. Donc, on garde vraiment la couche devant. C'est pas possible. Coucou Carla. Monte avec ta machine. Tu vas bien? Si, ça va et toi?
Oui, ça va super, ça va super. C'est un guet-apens, il y a des poyos qui vont arriver. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est vraiment pas... Tu crois que je suis comme ça, toi? Gratter mille est super. En tout cas, tu es très bonne. Très belle, très belle. Très quoi? Très belle. Ah, j'ai compris une chose. Gratter mille. Oh, quoi de neuf? Bah rien. En cavale. On est en cavale, du coup, c'est pour ça que j'ai une coupe de merde. On s'en fout de ça. On s'est fait poursuivre deux fois par les poyos. Deux fois, je les ai sauvés. Enfin, deux fois, je les ai semards. Et à part ça, tout va bien. Et vous faites quoi? Bah nous, là, on a envoyé quelqu'un... Enfin, il y a des gens qui braquent la banque. J'ai pas trop compris pourquoi. La banque ici... Il y a une banque à la fête foraine? Non, mais pas la fête foraine. Un peu plus loin, dans le Queens. Dans le Queens, devant le car, machin. Ah, d'accord. Mais tu m'as pas dit que tu étais en tenue d'opération? Si, mais du coup, on nous a demandé de se mettre en civil. Là, tu es en tenue d'opération de charmage de Miguel, là, peut-être, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste en civil. En civil, oui, civil. Civil. Bah oui, en civil, quoi, normal. Oui. Et puis, je me suis dit, je vais quand même bien m'apprêter, vu que je te voyais, donc voilà. C'est bon, c'est vrai, tu me fais plus la gueule pour de vrai, là? Je t'en veux encore, ok? Je vais pas te le cacher, je t'en veux, hein? Ça ne se fait pas comme ça. Mais Carla, est-ce que au final, tout ça, c'était pas un mal pour un bien? Moi, je pense que mine de rien, tu n'aurais pas insulté ma famille, tu n'aurais pas fait tout ça. Là, écoute-moi, à l'heure d'aujourd'hui, on serait déjà mariés. Honnêtement. Oui, mais ta famille, des fois, ils cassent les corodes. Oui, mais plus maintenant. Oui, c'est vrai. La preuve, mon paternino, il t'a dit quoi? Je vais dire faire. Il m'a dit que vous pouviez se marier, c'est bon. Voilà. Je te cache pas, hein. Je ne veux pas te mentir. J'ai quand même eu une discussion. Au début, je t'avoue que je n'allais pas te partenir. Hein. Mais cette nuit m'a permis de réfléchir. Et puis, une discussion avec mon paternino qui m'a dit que le pardon, c'était important. Alors... On a tous le droit à une seconde chance. Ça, c'est bien vrai. Alors, je suis prête à te la donner, cette seconde chance. Carla, encore une fois, je suis désolé, mais si c'était à refaire, je te jure, j'aurais refait, Carla. Parce que c'est pour ton bien. Et des fois, dans la vie, il y a des gens qui font des trucs pour ton bien, tu t'en rends pas compte, mais c'est vraiment pour ton bien. Et des fois, la vérité, elle fait mal. Et la vérité... C'est que Milo, il devait mourir. Bon, ok, certes, c'était pas toi de le tuer. Ça, je suis d'accord. Mais ça... Oui, mais vous vous rendez compte que vous m'avez laissé tuer Milo? Oui, mais ça c'est pas moi, c'est Vertigo. Oui, bah, tu sais que Vertigo, il m'a mis dans la merde. Hein. Pourquoi? Après, c'est pas parce que tout le monde croit que j'aurais pu faire autrement. Déjà, j'aurais pu... Lorsqu'on était plus... Tu veux qu'on fasse un plan mystère pour le tuer? Mais jamais de la vie, je veux tuer Vertigo, tu es malade. T'es sûr, Poc? T'es sûr? Je veux pas le tuer, non, il m'a rien fait. On le balance au Poyos ou un truc comme ça. Attends, mais tu crois que je suis comme ça? Je balance les gens... Tu crois que je travaille avec la police? Écoute, Bicorason, il nous a manipulés tous les deux. On le tue, on se casse toi et moi. Arrête tes conneries, on va pas tuer Vertigo du tout. Arrête, s'il te plaît. D'accord. C'est ton frère déjà de une, on ne tue pas sa famille, Bene. Seule fois que tu le saches. Et dedans, on va pas tuer Vertigo, s'il te plaît. Certes, il a fait une erreur, mais lui aussi, il mérite une seconde chance. Je veux plus jamais que ça se reproduise. Ça va, c'est global offensif, le coup de strike. Mais vous aussi, vous devez en faire, ok? D'accord. Là, on va essayer de libérer ton père. Et comme ça, j'espère que ton père, il voudra bien que je me marie avec toi, quand il sortira de prison. Il le voudra bien. Il a quel âge? C'est lui qui m'a dit... De quoi il a quel âge? C'est un vieux encore ou ça va? Qui? Ton père! Mon père? Bah oui! Bah à ton avis, tu crois qu'il a 25 ans? Il a Alzheimer? Non, il est pas Alzheimer, non! Du coup, tu me disais quoi? Il t'a dit quoi ton père? Mon padrino! Mais non, je parle de ton père, moi, pas de ton padrino! Eh bah mon père, je l'ai pas vu, je te dis depuis un an et demi! Il est en prison, il est sous haute surveillance, tu veux que je lui parle comment? Par le Saint-Esprit? Ça va se désamorcer le spike! On peut pas lui parler! On a même pas pu le voir à la prison! D'accord.
Du coup, il t'a dit quoi ton patrino? Il m'a dit que si jamais tu réussissais Bene, il était d'accord pour le mariage. Si je quoi? Tu réussis pour mon papa. Il est d'accord pour le mariage. Mais j'ai l'impression que vous voulez un peu rentrer dans mon tête, des fois. Des fois, tu vois, tu as vu Cusco? Cusco. Oui, Cusco. L'empereur mégalo. Oui. Tu l'as vu le film, le dessin animé? Oui. D'accord. Eh ben, Disney? Oui. Oui, oui. Eh ben, tu vois, comment il s'appelle l'amigo de Cusco, celui qui est baraqué? Oui. Eh ben, il a un petit ange sur l'épaule et un petit démon sur l'épaule, tu vois. Et mon petit ange, il me dit, oui, Carla, non, elle est bien. Et mon petit démon, il me dit que Carla, elle veut juste que je sorte son père de prison et qu'après, je l'aurai dans le cul. Tu en penses quoi de ce qu'il me dit, mon petit démon? Je t'explique. C'est qui a parlé? J'en sais rien. Quoi? J'en sais rien. Vas-y. Tu as ramené des gens avec toi? Explicar. Non, ça doit être la radio, j'en sais rien. Je t'explique. Je te dis que j'avais des mauvaises pensées, je te l'ai dit. Sauf que je me suis rappelé qui j'étais et qui tu étais, Bene. D'accord. Je me suis rappelé que lorsqu'on était ensemble, on a passé des moments merveilleux tous les deux quand il n'y avait aucune histoire. Ça, c'est pas vrai? Mhm. De quoi? Mhm. Oui, c'est vrai, pardon, je buvais. Ok, Bene. Du coup, non. Je te dis, je ne te refais pas. Je t'ai dit que si tu sauvais mon papa. En fait, c'est pas pour moi. Enfin, déjà, je suis contente si il sort mieux, papa, je te cache pas. Mais c'est plutôt pour ma famille de te racheter, Bene. Ok, mais imagine que j'arrive pas à sauver Tio papa. Du coup, on va se marier quand même ou pas? Si tu fais tout pour, je pense qu'il y aura moyen. Mais franchement, mio padrino n'y verra aucun inconvénient normalement. Si jamais tu fais tout, s'il te plaît. Moi, de mon côté, j'ai dit je suis prête à te pardonner. Attends, c'est qui m'appelle? Attends une seconde. Allô? Allô? Qui? Je crois que c'est Watin, le mec en bas? Mamma mia, c'est bon, je raccroche. Tu choses du combien, Carla? J'ai 38, pourquoi? D'accord, comme ça. Ouais, parce que je tends mon pied, c'est pour ça. Oui. Parce que je suis assise en tailleur, c'est pour ça. Oui. Ça me dérange pas. Très bien, très bien. Ah, t'as mis des lunettes roses d'ailleurs. Oui, parce que je suis en cavale. Oui, je sais. Bon, d'ailleurs, ne nous écartons pas du sujet. Oui, on va pas s'écorter. Si. Bon, du coup, je te disais, honnêtement. C'est Wattie le flat. Si jamais je voulais te la mettre dans le queue. Bah, j'espère bien que tu veux pas, parce que c'est pas trop mon délire, hein. Mais tu crois vraiment que... Non mais... Je t'explique, si je voulais te la mettre dans le cul, là je ne serais pas venue. Je t'aurais juste dit, on se reparle une fois que tu as libéré Mio papa et c'était fini. Hein. Wow. Sauf que regarde, je suis là. On se parle tous les deux. C'est pas pour rien, je te l'ai dit. Si je te donnais plus de nouvelles, c'est parce que je n'avais pas le droit, tu comprends? Si je le faisais, j'étais morte. Moi, oui, mais là je te crois pas trop. De quoi? Tu me crois pas trop? Ça, c'est ce que tu viens de dire. Là, à mon avis, tu mens. Donc, tu crois que je vais me servir de toi? Non, mais en gros, je crois que tu pouvais me parler. Tu aurais pu. Quand on veut, on peut. Je te le jure que je pouvais pas. Arrête. Écoute, je te le jure que je pouvais pas. Tu veux que je te dise quoi? Arrête, Carla, arrête. Si tu voulais m'envoyer un petit texto en secret, tu pouvais. Hein. Là, comment dire? C'est plus compliqué que ça, on va dire. Moi, tu sais, Vertigo, il voulait pas non plus que je me marie avec toi et que je te parle. Il faisait que me dire, oui, on va la tuer. Je disais non, je te jure. Je disais non. Et je continue à t'envoyer des messages. Et je te jure que moi, je pouvais vraiment pas. C'est même pas question. Personne. Déjà, mon fratello, il a fouillé mon téléphone, je t'explique. Oui. Alors, tu aurais pu acheter un deuxième téléphone. C'est vrai. Mais en fait, comment dire? Ça va au-dessus, tu vois, ça va au-dessus de la chose, tu vois, c'est plus compliqué que ça, Ben.
C'est plus compliqué dans le sens où vraiment, s'il savait que je te parlais... Attends, désolé, peut-être mon cousin. Pardon, excuse-moi une seconde, mia mort. Fais, vas-y. Roberto. Tu es qui, ton connard? Tu es qui? Dégage! Je suis le papa de Miguel. Il y a quelqu'un qui... Il y a un voyeur qui nous... Barrez-vous, ça vous êtes qui, vous? Ça brûle, barrez-vous. Voilà, c'est la bon. La voiture, la machine. Miguel. Elle brûle. Ah oui, il a tout niqué, Roberto. Ma mère. Ça fait une heure, il part pour rien. Putain. Non, le calme. Tu as trabajé. Je suis bien là, non? Je suis en bonne voie. Ouais, t'es bon, t'es fort. Ok, super. C'est bien. Je pars avec ton cerveau et pas avec ton zizi. Viens, Carla, on se met là, c'est mignon ici, c'est romantique. Putain, t'as tout cramé, tu es trop con. Mais pourquoi il nous espionnait aussi? Bah, je sais pas, par contre, c'est toi qui l'as ramené parce que c'est pas mon ami. Mais je jure que c'est pas mon ami non plus. Bah, je te le jure que je le connais. Bah, je te jure que je le connais pas non plus. T'es sûr que je pouvais vraiment pas te répondre, Miguel? Et puis, je t'avoue aussi que je t'en voulais quand même, que tu t'en voulais énormément, que tu me fais tuer Milo de mes propres mains. Tu comprends? Oui, je comprends. Je voulais pas le faire moi, Bene. Et je voulais pas qu'il meure non plus. Parce que c'est quelqu'un de ma famille, mine de rien. Je ne voulais pas me marier, je ne ressentais pas une once d'amour pour lui. Bene? Oui. Alors pourquoi tu voulais te marier avec lui? Enfin, alors pourquoi tu l'as protégé? J'ai pas eu le choix. Mais pourquoi tu l'as protégé quand je voulais le tuer? Mais pourquoi? Parce que si jamais il... Écoute, tu sais que là, ça m'a mis dans la merde parce qu'ils m'ont tous dit oui, c'est ta faute s'il est mort, si je ne l'aurais pas protégé. Réponds à ma question. Mais je l'ai protégé parce que sinon il a... Je viens de te dire, sinon ils allaient me tuer. Mais j'aurais pu venir en secret sans que sache que c'est toi qui m'avait poucave. Bah oui, mais sauf que... Comme une conne, j'étais à côté de mon cousin là quand je t'ai appelé, que je t'ai dit qu'il était à la maison. Je t'assure, Miguel. Je sais pas ce qu'il faut que je te prouve pour te dire tout simplement que... Oui, c'est vrai, parce que moi je dois me faire pardonner, mais toi tu dois te faire pardonner aussi de moi, de m'avoir trahi, d'avoir brisé mon cœur. Attends une seconde, il y a Marco qui m'appelle. Oui, Marco. Allô, Marco. Nique ta mère, Marco. Allô. Louis, on arrive dans 2 minutes. Nique ta mère, Marco, nique ta mère. Oui. Ok, ça marche. Bene, ça marche. Bene. Bah, ok, bene, très bien. Bah, ici, c'est un point d'extraction sûr. Quoi? Non. Mais non, mais parce que Marco, il m'énerve, il veut que je trouve un truc d'extraction sûr, là, pour le mec, là, qui bosse pour nous. Je sais pas ce que tu racontes, mais tu as brisé mon cœur. Comment ça, j'ai brisé ton cœur? Bah, je t'envoyais des messages, tu me répondais pas. Après, tu as défendu Milo. Après, tu as fait plein de trucs qui ont brisé mon cœur. Mais je t'ai dit que je n'avais pas le choix, Miguel. Et toi, quand tu m'as fait tuer Milo, tu avais le choix peut-être? Non, j'avais pas le choix. Voilà. Et je t'ai pardonné, donc à toi de me pardonner aussi, Miguel. Oui, mais moi pour te pardonner, je dois libérer ton père de prison. Et bah, tu veux que je fasse quoi, dis-moi? Tu as quand même insulté, moi je t'ai jamais insulté ta famille. J'ai toujours été très cordial avec Verdugo et tous tes amis, hein, et toute ta famille. J'ai même voulu donner du travail à ta Rebecca, je sais pas qui c'est pour toi. Eh ben, tu peux te faire pardonner en me mariant, en acceptant ma demande en mariage. Mais tu sais bien, pour le moment c'est maintenant. Impossible, Miguel. Merde. Miguel. Oui. Carla, mi amor, veux-tu m'épouser? Miguel, tu sais bien que pour le moment c'est Carla, impossible. Carla, veux-tu m'épouser? Miguel. Oui ou non? Miguel. Oui ou non? Pour le moment, oui c'est ou non? Pas possible, oui mais ou non? Écoute-moi. Oui ou non? Une fois que tu l'auras prouvé devant ma famille. Putain! Miguel, écoute-moi! Oui! J'en ai marre! Je te promets. Tu me fais un câlin ou un bisou? T'as pas un bisou. Oh! Mais attends, mais. Attends, viens. Okay. Tu me promets quoi? Je te promets qu'une fois que tu auras tout prouvé à ma famille, qu'ils seront tous d'accord, on se mariera. D'accord, toi et moi. Mais je veux encore un bisou. Ok. T'es grand champion. Ok, mais je veux encore un bisou, encore. T'abuses. T'en veux encore 10 pendant que t'es. Encore un.
D'accord, super. Eh ben, je vais libérer ton père. Je te jure, Miguel. On va se marier tous les deux. Tu en as ma parole. D'accord, et on aura un enfant, un fils. Une fille, plutôt. Un fils. Une fille. Non, un fils, par favor. Non, c'est mieux une fille. De toute façon, on décide pas, c'est le random, hein. Oui, bah ça se trouve, ce sera une fille. On l'appelle comment, c'est une fille? Je sais pas. Roberto. Et si c'est un fils? C'est qui a dit ça? C'est l'autre là, je sais même pas qui c'est avec sa queue de cheval. Mamma mia, ferme ta gueule, connard! Et tu vois pas qu'on discute? Et si c'est un fils? Si c'est un fils, on l'appelle comment? Je sais pas, mamma mia, tu m'en poses bien des questions, toi tu as une idée? Vertigo. Oui, tu vas l'appeler Louis aussi pendant que tu es. On l'appelle Radamel. Oui, Et la fille, on l'appelle Rebecca. On l'appelle Camélia. Allez, il faut y aller. D'accord, notre fille, on l'appelle la Camélia. Camélia, l'autre, celle qui est ton ex? Oui, mon ex. Bon, allez, bisous. Au revoir, bisous. Au revoir, Carla. Tu m'as confisqué quoi? Je t'ai rien confisqué, je te jure. Ah, d'accord. Non, ah. Par contre, non. Par contre, c'est toi qui m'as pris un truc, non? Non, j'ai rien touché. Non, moi, je t'ai rien pris. Super. Au revoir, Carla. Si. Au revoir, Marco. Non, c'est pas Marco, ça. C'est Elio. C'est pas Marco, c'est Elio. Oui, je vais me coucher. Alors, buona notte. Buona notte. A domani. Pourquoi tu stronzo qui est parti? Mais je sais même pas qui c'est. Mais c'est qui ce mec? Je suis Roberto. Et bah, Roberto, tu restes à terre, connard. Moi, je suis pas très convaincu quand même. Hein. Pourquoi? Elle m'a embrassé 4 fois au moins 4. Oui, mais alors, elle a dit. Mais alors, elle a quand même dit, je te marie que si tu prouves à ma famille. En mode, il y a un intérêt. C'est normal derrière. Après. Mais non, elle est sincère. Non, mais je te jure, avec ce qu'on va faire, le délire de la prison, elle va choquer, elle va fermer ça. Hein. Oui, mais elle aurait pu lui dire oui à toi, mais quand même prouve à mes parents. Là, elle a dit non, tu dois prouver à mes parents. Elle est sincère, tu es jaloux. Elle est sincère, oui, non. Elle est sincère. Ah, moi, j'ai un truc. Là, je fais confiance. Miguel, je te fais confiance, t'inquiète. T'as vu? Elle est à fond dedans. Merci. T'as vu, quand tu l'as galoché, elle mettait la langue et tout. Oui, t'as vu? Mais pourquoi, maman, t'as dit mon prénom? Je sais pas compris. On disait comment on allait appeler nos enfants. Quoi? Ça y est? Oh, mais ça y est, c'est dans la poche. Oui, et après j'ai dit. Ton fils, tu l'appeler comment? J'ai dit mon fils s'appellera Vertigo. Et après j'ai dit non, Radamel. C'est plus ici. Je les adore, d'accord. Bah, sache que moi, si j'ai un enfant, je l'appelle pas Miguel. T'es sérieux? Ah, je te jure. Mais t'es sérieux? Pourquoi? Oui. Je préfère avoir une fille ou un fils? Je sais pas, t'es déjà mon enfant un peu, t'as vu? Je préfère avoir un fils, comme ça je pourrais le jouer. Okay. Mais par contre... Oh là là, quand je vais devoir faire un accent mi-italien, mi-espagnol... Radamel raconte. Pourquoi? Je suis content ou pas? Pourquoi? Non, c'est quoi que tu m'as rendu faire, c'est que tu m'as dit moi je te boude. Mais maintenant faut que tu la fasses galérer un peu. Non, je suis un canard. Non, Vertigo, je suis pas sûr que tu sois des bons conseils au niveau. Mais par contre, Roberto, là, c'est toi qui l'as dit de venir ou pas? Mais non, vraiment pas. Je non, pense qu'il m'a streamac. Bah oui. Mais la streamac jusqu'à la plage? Oui, je pense. Elle est bon. Il a un problème avec les chicas, lui, hein. Carla. Comment elle s'appelle? Rebecca. Bah, il était amoureux de Mira, mais elle est morte. Mira. Non, j'avoue, le pauvre. Rebecca, je vais voler. Carla, Miguel, il l'a volé. Non, Carla, il a jamais dragué Carla, si? Oui, crois-le. Il veut le tuer. Tu sais que le plan de Tchak, c'est de te tuer. Ouais, oui, d'appeler Carla quoi, et de te tuer. Sérieux? C'est un bon. Enfin, c'est un bon. Non, c'est pas une bon, mais t'as compris. Mais non, c'est pas bon. Chez les Vagos, c'est pas comme ça chez nous. Oui, mais je pensais pas que lui, c'était un mec. Passage secret. C'est mieux ça que les plantes vertes. J'ai compris. Bah oui. Bon, Miguel, je vais te demander un truc. Donne-moi les clés de chaque voiture, comme ça moi je les mange bien, s'il te plaît. Oh, lui, il s'appelle comment le mec qui était. C'est quoi, regarde, je te passe toutes mes clés. Je te passe toutes mes clés, tu te débrouilles. Demain, t'es là, toi? Demain, je suis là. Ok, mon frère. Ah, tu es full, je crois. Ah, freeze. Tu es full? Oui, comment ça s'appelle? Attends. Oui, il était. Oui, je me souviens. Mais je suis sûr que là, regarde, là, il y a aucun des deux qui va se souvenir de lui. Bah, Vertigo, je pense. Est-ce que vous souvenez du petit Vagos? T'as rien écouté hier? Mais t'es timide. Comment il s'appelle? Ouais, c'était vraiment. C'est le Vagos. Ouais, il avait une casquette à l'envers. Tout le temps, il était là. Mais. C'est le mec, t'es pas là? Pourquoi je suis pas là demain? Comment il s'appelle? Mais je sais plus. Ah, la vidéo de Walid. Oui, peut-être que je suis pas là en fait demain. Pourquoi? Je suis pas là non plus, je travaille. En fait, en gros, il y a l'anniversaire de quelqu'un de ma famille.
Et ensuite, okay. Et secondo, il y a le tournage de la vidéo de Walid. Ok, donc c'est pas sûr que t'es là demain. Oui, pas sûr que je sois là demain. Ok. Super. Bon, bah, ça va. Bah, tu me tiens au courant, mon frère. Et dimanche, t'es là par contre. Elle m'a dit grâce mille pour le temps accordé pour cette discussion. Sache que je suis vraiment sincère avec toi et j'espère que toi aussi. Ouais, envoie-lui une nude maintenant. Vas-y, envoie-lui une nude. Une nude, une nude. Faut mieux prendre. Mais attends, mais. Vas-y, Vertigo, branle-le un peu. Ta mère, branle-le toi. Il bande pas ce pendejo. Vas-y, allez, mets-toi à poil. Ça a dit, branle-le un peu. Vas-y, sors-le. Sors-le en accompagnant. Sors-le ton paf. Secoue-le un peu là. Vraiment, déjà. Non, je l'envoie en caleçon juste. Oh. Puis ça va être ton tour, ça, bientôt. Et tasse. Ça. Thanks. Et en plus, il y en a des expressions de beauf à dire. Imagine, t'es une meuf, tu te fais baiser par Miguel. Mais hermano, imagine après t'avoir envoyé. Grazie mille pour le temps accordé pour cette discussion. Ça, que je suis vraiment sincère avec toi. Et j'espère que toi aussi. Imagine, tu ressens ça. C'est vrai qu'elle a dû choquer sacrément. Ça y est. Oui, merci toi aussi. Là, la photo que je t'ai envoyée, c'est moi en caleçon. Comme ça, tu as un petit aperçu de quand on sera marié. Gros bisous, bonne nuit. Nicolas. Ce qui me choque vraiment, c'est les fleurs sur les tétons. Hein. Les fleurs sur les tétons. Quoi ? Mais oui, regardez, il a vraiment une fleur sur chaque téton. Attends. C'est que ça me fout droit, ça. Arrêtez de me regarder comme si j'étais un ovni. Ah, j'ai une question, on est plus brûlé là, non ? Non, ça y est. Un petit peu, si, regarde, moi, tiens. Non, mais mets ta tâche dans le bras là. Oui. Si, bah si, t'as toujours. Ok. Bah, ça fait longtemps. T'as Radamel, toi, un petit flow quand même en vrai comme ça. Ouais, j'aime bien. Mais on a tous un petit flow. Je vais rester comme ça. Vraiment. Allez, buenas, Luis Valorant. Vas-y. Allez, super. Après LOL ou pas ? Vas-y aussi. Vas-y, mon frère. Moi, j'ai peut-être plus Valorant que LOL. Peut-être plus TFT que LOL, moi. Ah, je sais, c'est assez bien. Bien sûr, Valor, il fait la vie de ma mère. Non. Ah, elle m'a répondu. Vas-y, elle t'a répondu quoi ? Elle m'a répondu un message audio, attends. Vas-y. J'adore tes tatouages. T'es plutôt musclé, j'aime bien ça. T'es plutôt musclé, j'aime bien ça. Elle a dit. Non, ouais, c'était sur la bonne voie, mon frère. Le body, hein, il faut quoi. Ouais, le body qui fout ça, Miguel raconte. Vous voulez que je fasse le robot encore ? Vous voulez que je fasse le robot ? Vas-y, fais le robot. Ok, je fais le robot, attends, je fais le robot. Je fais le robot pour finir en soi, je sens le scab. Regarde. Ah non, avec les boys. Je fais le robot. Je suis un robot. Voilà, Miguel. Oui, Miguel, le robot. C'est ça, mon frère. Regarde, je suis un robot. Oh, mon bras. Ah, merde. Mes bras sont désactivés. J'espère que tu feras pas le robot. Je vais faire l'étoile de mer. Ah. Allez, au revoir. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent. Juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles. Chasse, chasse.